نعمة الإسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Population d'Anyansoué, la paix soit avec vous, la miséricorde d'Allah soit avec vous, la grâce de l'Éternel sur vous. Aujourd'hui, c'est le 27 mai 1443 de l'Égypte, mais dans le calendrier égyrien, nous sommes aujourd'hui le 25 Shawwal 1443 de l'Égypte, comme je l'ai dit. Non. Mais le 27 mai 2022, nous sommes là aujourd'hui, comme d'habitude, parler de l'islam, appeler les gens à l'islam, exhorter les gens à comprendre ou à connaître l'islam. Exactement. C'est ça la dawa. Non. Et la dawa formule DDR, oui. C'est la dawa dans la rue. Exactement. Pourquoi pas dans la mosquée? Question. Pourquoi dans la rue? Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la rue, lui il n'est pas musulman. Exactement. Mais il ne sait pas ce que c'est que l'islam. Oui. Il veut savoir des choses sur l'islam, non. Il ne veut pas aller à la mosquée. C'est ça. Dawa dans la rue. Exactement. Nous venons au carrefour. Oui. Nous venons auprès de vous. Non. Nous venons échanger avec les musulmans, également les non-musulmans. Exactement. Pour leur parler de notre belle religion, oui. Qui n'a rien à voir avec une religion de terreur, une religion de terroristes, une religion de djihadistes, dans le sens d'aller tuer des gens innocemment, mettre la faute sur les musulmans, sur la parole d'Allah, le Coran. Par contre, le Coran dit, soit le maïda la table servie, au verset 32, quiconque va tuer une âme innocente, vas-y, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Exactement. Quiconque va faire don l'âme de vie, oui, à un être humain, vas-y, Allah considère comme si tu as fait don à toute l'humanité. Exactement. Ne tue pas la vie que Allah a rendue sacrée, l'âme, sauf en bon droit. Exactement. C'est quoi l'islam? Question. Qui est musulman? Question. Est-ce que c'est Madou? C'est Ibrahim? L'âme. C'est Moussa? Mm-hmm. Parce qu'il s'appelle Madou, donc il est musulman. Question. Non. Il peut être Djula. Non. Et puis il n'est pas musulman. Exactement. Mais il peut s'appeler Kwasi. Non. Il n'est pas Djula, mm-hmm. Mais il est musulman. Exactement. C'est pourquoi, oui, nous avons l'habitude de dire, non, un Djula là, il n'est pas forcément musulman. Exactement. Un musulman aussi, lui, n'est pas forcément Djula. Oui, oui. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Madou qu'il est forcément musulman. Exactement. Et ce n'est pas parce qu'il s'appelle Nguessan qu'il est forcément chrétien ou bouddhiste ou athée. Exactement. On connaît des frères, oui, qui sont des pasteurs, mm-hmm, et ce sont des amis, mm-hmm, de la DDR. Oui. Il peut s'appeler Mohamed Sanogo, Idriss Ouattara, mm-hmm, Moussa Kone, mm-hmm, mais il est chrétien, il est pasteur. Exactement. Mais un chrétien et un musulman sont des frères. Ils échangent. Ils parlent de leur religion parce que tous deux se réclament d'Abraham, non, le père de la foi. Oui. Isaac est fils d'Abraham. Mm-hmm. Ismaël est fils d'Abraham. Non. Muhammad, la paix de Dieu soit sur lui, est descendant d'Ismaël, fils d'Abraham. Vas-y. Du côté de Jésus-Christ, il est descendant d'Isaac, fils d'Abraham. Non. Islamiquement, on appelle Isaac Ishaka. Non. D'autres disent Shaka. Mm-hmm. Ismaël, c'est Ismaïla. Noé, en islam on l'appelle Nuhu. Nam. Abraham, islamiquement on l'appelle Ibrahima. Nam. Joseph, en islam on l'appelle Youssouf. Exactement. Jonas, hein, en islam on appelle Younous. Job, en islam on appelle Ayuba. Nam. Jean-Baptiste, mm-hmm, en islam on l'appelle Yahya. Exactement. Salomon, en islam on l'appelle Suleiman. Non. Jésus. Oui. En islam on l'appelle Issa. Exactement. Mohammed, on l'appelle Mohammed. Mais il ne s'appelle pas Mahomet. Non. Parce que d'autres disent non. Islamiquement, le nom du prophète qui a été envoyé par Dieu, il s'appelle Mahomet. Mais tous les prophètes
de Adam alayhi salatu wassalam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wasallam, oui, ils sont 25 qui sont mentionnés dans le Coran. Vas-y. Il y a le premier et il y a le dernier. Exactement. Comme Apocalypse chapitre 1 verset 8, non, l'Éternel Dieu dit à travers Jésus, mm-hmm, je suis le premier et je suis le dernier. Exactement. Dans l'islam, il y a un premier prophète et puis un dernier. Exactement. Le premier, on va dire, c'est Adam alayhi salam. Mm-hmm. Le dernier, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après Muhammad, la paix de Dieu soit sur lui, mm-hmm, il n'y a pas autre prophète. Claire. Maintenant, Muhammad alayhi salatu wassalam, oui, nous sommes à son époque, non, jusqu'à la fin du monde. Exactement. Muhammad alayhi salatu wassalam, oui, était musulman. Non. Mais il n'a pas envoyé l'islam. Exactement. C'est pas lui qui est venu avec l'islam. Précision. Parce que lui, avant lui, Allah dit dans le Coran, sourate 3, le verset 67. Vas-y. Abraham n'était pas juif. Non. Abraham n'était pas aussi un chrétien. Mm-hmm. Ibrahim, il était musulman. Exactement. Si Ibrahim est musulman, non, Muhammad ne peut pas envoyer l'islam parce que Ibrahim était déjà musulman. Exactement. Si Ibrahim était musulman, l'islam, vas-y, il ne peut pas envoyer l'islam parce que nous étions déjà musulmans. Exactement. Si nous étions déjà musulmans, lui ne peut pas envoyer l'islam parce que Adam alayhissalam était déjà musulman. Exactement. Donc tout cela, la chaîne prophétique, oui, ils sont venus apporter l'islam. Exactement. Allah dit dans le Coran, non, il dit, on a légiféré pour les gens, oui, la religion, mm-hmm, établissez la religion, non, et n'en faites pas un sujet de division, okay, établissez la religion, la même religion qu'a porté les autres prophètes, c'est la même que les autres prophètes également ont envoyé, non, Muhammad n'a jamais dit que Jésus est faux, jamais. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, oui, de croire à tous les prophètes qui sont venus après lui parce qu'il a dit ce sont ses frères. Exactement. Mais comment lui, ce sont ses frères qui sont Jésus, oui, Ibrahim, Adam et autres, mm-hmm, ce sont ses pères même, j'allais dire. Mm-hmm. Mon frère chrétien, pourquoi toi et moi on n'est pas frères? Question. Lui il dit Jésus est son frère. Non. Muhammad alayhi wa sallam dit tous les autres prophètes sont son frère et ses pères. Mm-hmm. Allah dit dans le Coran, sourate 3, verset 95. Vas-y. Il faut leur dire, non, c'est Allah qui dit la vérité. Exactement. Suivez la religion d'Ibrahim. Oui, oui. Ibrahim n'était point du nombre des associateurs, mais il était musulman. Non. Donc il faut suivre celle que Abraham a établie là. Mm-hmm. Comme Abraham a reçu des autres également. Vas-y. Et nous ne sommes pas venus à Agnansoué pour vous apprendre l'islam. Jamais. Il y a musulmans ici. Non. Il y a mosquées ici. Mm-hmm. Nous sommes venus simplement, non, pour échanger avec surtout la jeunesse. Oui, oui. Qui passe tout leur temps dans les mosquées. Qui passent également leur temps dans les maquis. Non. Et puis il dit les musulmans, tu es en train de gâter l'image de l'islam, mais tu ne peux pas le faire. Parce que la religion vient d'Allah, c'est lui qui protège sa religion. Non. Allah il dit, ils veulent éteindre la lumière d'Allah, c'est-à-dire l'islam, sa voix, sa parole. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Les mensonges qu'ils disent l'islam. Non. L'islam est ceci, ils emprisonnent les femmes. Ils ne veulent pas qu'il y ait femme imam. Il ne peut pas avoir, les femmes sont toujours derrière. Pourquoi cette discrimination-là? Mon frère, femme imam. Pourquoi il n'y a pas femme imam, quoi? Oui. C'est ça qui te fait mal, quoi. Et puis derrière, même allons à ça. Vas-y. Moukosso, l'imamou, Moussou, t'es quel imam, islamaya là? Non. Avec Moussou, quel agnadom, on dirait, ou qu'il est au te foyer. On ne les calcule pas. Et puis, on le qu'on fait, c'est la manière d'une du mal à baigner. J'ai dit, en enfer, nous sommes ces capcobéquets. N'est-ce qu'une main haut? Non. Allah, il s'adresse aux intelligents. Hakiribe Moromono là. Mon frère, imaginons femme imam. Allahu Akbar. Elle a attrapé sa main. Le premier geste. Après avoir dit, après avoir lu tout le surat, c'est quoi? Beaucoup. L'inclinaison. Mm-hmm. Troisième geste, c'est quoi? Prosternation. Dans le quartier, quelqu'un qui est fan de celle qui est en train de nous faire prier là, elle est prosternée. Tu es concentré sur la prière ou bien sur l'imam? Là, il y a des cas. Il y a des cas, non? Mm-hmm. Et dans les deux cas, Allah. Non. Il n'a même pas dit, il ne doit jamais avoir. Il nous a déjà donné l'enseignement parce que quand il s'adresse à toi, il sait que toi, il m'a dit à Kri Djagabo pour dire, ni Moussa que l'imam avait des dégâts matériels. C'est-à-dire, c'est pas bon. Non. Donc, parce que la femme est puissante, voilà qu'on s'en la met derrière. Non. C'est parce que la femme est un trésor dans l'islam, c'est pourquoi on dit son corps là. C'est pas n'importe qui doit regarder son corps. On dit, mais ils sont jaloux. C'est pas la jalousie, frère. Une femme, c'est une femme. Le respect qu'elle lit.
l'islam donne à la femme. Jusqu'à l'islam est allé donner une sourate dans le Coran qui s'appelle la sourate des femmes. Yeah. La sourate 4 du Coran. Yeah. C'est le titre donné aux femmes. Mm-hmm. Il y a une sourate dans le Coran. Allah a donné le nom de la maman de Jésus dans cette sourate-là dans le Coran. Yeah. Pour dire à mon frère qui pense que l'ennemi du chrétien, c'est le musulman, il s'est dit, mais attends, tu sais que le Coran a donné une sourate à la maman du Christ dans le Coran? Mais montre-moi un autre livre non. qui lui a dédié un chapitre, par exemple. Je suis ton ennemi? Non. Tu sais que le Christ est mentionné dans le Coran, c'est à travers le Coran, nous savons qui est le fils de Marie. Exactement. C'est vrai que nous, on ne le prend pas pour une divinité. Non. Tu peux le considérer comme Dieu, ça c'est ton problème. Oui. Chez nous, c'est un envoyé de Dieu, c'est un prophète. Non. Et en islam, il n'y a pas fils de Dieu. Non. Parce que s'il y a fils de Dieu pour nous, c'est comme si l'éternel Dieu, le jour il ne sera pas là, son enfant va prendre sa place. Non. Donc comme on va l'adorer aujourd'hui, si il n'est pas là demain, on va adorer son fils. Et son petit-fils, et ses ancêtres, sa descendance. C'est pourquoi islamiquement, non. l'islam c'est la religion de vérité, la religion de droiture. Beaucoup de personnes se convertissent à l'islam. Dans les réseaux sociaux, vous voyez, dans les pays comme les États-Unis, les gens ne font que remplir les rues en train de prier non. le même Allah. Le même Allah qui est qu'on appelle ici à Nyansoué, c'est le même Allah qu'on appelle en Chine. Exactement. Quand tu quittes d'ici à Nyansoué, tu prends ton vol, tu atterris en Chine, tu vas attendre le nom d'Allah dans la même mosquée que tous les autres. Tu vas te prosterner devant ce Allah-là, parce qu'il n'habite pas seulement à la Mecque ou en Côte d'Ivoire. Non. Et quand tu te prosternes devant lui là-bas, celui qui est en train de diriger la prière n'est pas un Djoula. C'est pas un Arabe. Mm-hmm. C'est pas un Français. Mm-hmm. C'est pas un Mauritanien. Il est quoi? C'est un Chinois. Non. Mais il va te dire, il va te lire la sourate du Coran. Il peut même mémoriser le Coran, alors que toi qui es en Côte d'Ivoire, tu es en connexion avec celui qui est en Chine directement, parce que vous avez le même Dieu qui s'appelle Allah. Non. Vous avez le même Coran qui est 114 sourates, 6236 versets. Non. Vous avez la même direction pour la prière qui est la Qibla vers la Mecque. Exactement. Vous avez le même mot avec le Chinois, le Coréen, non. le Zambien, dans la même direction pour la prière. Mm-hmm. Vous avez le même mot de Ramadan. Non. Musulman, il n'y a pas mot de carême chez les musulmans. Musulman fait pas carême, oh, musulman fait pas carême. Le musulman jeûne. Dans le mois qu'il jeûne, le mois on appelle ça Ramadan. Non. On a beaucoup de choses à dire. Vous allez être amené à poser des questions. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah, nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement. Nous vous demandons de vous inscrire. Déjà pour ceux qui veulent poser des questions. Nous vous demandons de voir les gens qui sont en train de passer dans les rangées. Vous inscrivez vos noms et puis vous venez poser votre question fraternellement. Alhamdulillah, comme vous le savez, nous sommes venus d'Abidjan et nous c'est la DDR. Et nous sommes venus ici précisément à Nyansoué dans le cadre de la Dawat dans la rue. Et ici, ce soir, nous invitons toute la jeunesse, tous ceux et celles qui sont amoureux, qui ont l'amour de la vérité, qui sont amoureux de la divinité, qui veulent aimer, qui veulent savoir qui est le véritable Dieu qu'on doit adorer. Nous sommes priés de se rendre ici et de venir écouter cette parole-là. Alors, comme vous le savez, nous sommes ici dans le cadre de sensibiliser, mais notre objectif premier, c'est d'appeler les gens à l'unicité d'Allah, d'appeler les gens à l'unique véritable Dieu, le seul à être imploré et adoré. Nous disons à tous ceux qui nous écoutent, de loin comme de près, que vous devez savoir qu'en dehors d'Allah, il n'y a point d'autre Dieu qui mérite l'adoration. Et qu'en dehors du prophète Mohammed, tout autre prophète qui vient n'est qu'imposteur et imposture incarné. Alors nous vous invitons à venir à ce qui est vrai, à l'essentiel, à ce qui est primordial. Et ce qui est primordial, c'est quoi? C'est l'adoration de Dieu. Avant de l'adorer aussi, il faut aller à sa connaissance. Donc d'abord connaître Dieu et ensuite l'adorer. Alors, quel est le Dieu que les musulmans adorent? Question. Parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est multiculturel. En même temps, il y a plusieurs religions. On vit dans un monde qui est mixte. On vit dans un monde qui est laïque. Plusieurs religions, en même temps plusieurs divinités se prononcent et plusieurs adorations diverses les unes des autres. Alors nous vous invitons ici à écouter une bonne fois pour toutes. Prêtez attention à ce que nous allons lire et ce que vous allez écouter de la part de Dieu. Vous allez savoir quel est le Dieu que les musulmans adorent. Est-il le véritable ou on doit chercher un autre? S'il est le véritable, en fonction de ce que lui-même il a dit, non. on saura s'il est vrai ou bien s'il est faux. Or, s'il y a un autre Dieu ailleurs, alors nous sommes prêts à aller l'adorer. Si ce n'est pas Allah, nous sommes prêts à aller adorer le véritable.
Alors dans ce cas, vous devez venir nous présenter ce véritable-là avec les critères qui découlent de sa véracité et là, avec tous les critères de sa créature, avec tous les critères de son unicité et nous prouver ce qu'il a créé. Démontrez-nous par A plus B qu'exactement c'est lui le créateur. Mais avant, nous avons un verset du Coran que nous récitons chaque jour. Et que dans l'introduction, mon frère a essayé de vous faire un peu l'argumentation. Mais on va continuer dans sa lancée et puis on va exhorter les gens à comprendre que le Dieu qu'ils adorent étant musulman est le vrai du début, du milieu et à la fin. Non. Alors, on va partir avec la première sourate du Coran. C'est Al-Fatiha. Vous allez écouter un peu en arabe et puis on va vous traduire ça en français. Et vous qui êtes musulman, vous allez comprendre. Mais vous qui n'êtes pas musulman, vous allez encore plus comprendre et plus apprécier. Et vous allez être convaincu par la grâce d'Allah qu'en réalité, c'est lui seul qu'on doit adorer. Et qu'en dehors de lui, toutes les autres divinités sont des fausses divinités inculquées, créées par l'esprit de l'homme païen. Vas-y, frère. D'abord, il a commencé d'abord à chercher la protection auprès de son Seigneur, Allah, le Créateur, contre le diable banni. Vas-y. Après avoir demandé la protection d'Allah contre le diable, il invoque maintenant la présence de son Seigneur en disant le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vas-y. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Vous qui ne comprenez pas arabe, Alhamdulillah, ça veut dire louange, gloire, honneur soit rendu à celui qui a créé les cieux, la terre, le monde, l'univers, le multivers. Si tu ne comprends pas, il y a fait ça mou pour toi. C'est-à-dire, en dehors d'Allah, il n'y a pas un camarade de quelqu'un qui a créé les cieux. Propriétaire des cieux et de la terre, là, il a un seul nom, il s'appelle Allah. Créateur de l'univers. Vas-y. Ar-Rahman Ar-Rahim. Il dit qu'il s'appelle Ar-Rahman, il s'appelle Ar-Rahim, c'est-à-dire, il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Il n'est pas que tout, mais il est aussi très. Il n'est pas que très, il est aussi tout. Vas-y, frère. Malik Yaoumiddin. Malik Yaoumiddin, c'est-à-dire, il est le maître, le puissant. Il est le puissant de tout ce qui respire. C'est lui qui a donné formation à toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses, donné début, milieu et fin. Vas-y, frère. Quand le musulman a eu la connaissance de ce Dieu, il dit Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. C'est-à-dire, toi, Allah, c'est toi que nous adorons. C'est toi seul que nous adorons. C'est-à-dire, en dehors de lui. En dehors de lui, on n'adore personne. Ça veut dire, tu ne peux pas dire que tu es musulman. Tu dis qu'il y a qu'un aboudou ou qu'il y a qu'un astarim, alors qu'en bas de ton lit, il y a Canary là-bas. Tu es un hypocrite. Tu ne peux pas aller vendredi à la mosquée. Dis qu'il y a qu'un aboudou. C'est toi seul que nous adorons, alors que tu as bague de protection. Tu ne peux pas dire qu'il y a qu'un aboudou. Alors que tu as Canary en bas de ton lit, tu as trois condrons qui sont accrochés là-bas. Non. Tu ne peux pas dire il y a qu'un aboudou ou il y a qu'un astarim. Alors que quand c'est chaud, tu vas avoir mal ou caramel. Il n'a qu'à jeter le colis pour voir si ton commerce là, ça peut marcher. Tu ne peux pas dire il y a qu'un aboudou ou il y a qu'un astarim. Alors que toi, quand tu sors les vendredis, les samedis, tu vas adorer fétiche. Reprends la lecture. Il y a qu'un aboudou, il y a qu'un instant. Écoutez bien. Il dit, c'est toi ce que nous adorons. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que c'est toi qui es le maître de l'univers. C'est toi qui es le maître du jour de la rétribution. Le jour où chaque âme va venir devant toi. Et tu vas donner à chaque âme l'honneur qu'elle mérite. Mais pourquoi, avec cette connaissance de ce que tu es, voilà pourquoi nous disons que nous t'adorons toi seul. Et c'est à toi ce que nous voulons culte. C'est-à-dire, si vous adorez un autre Dieu qui n'est pas Allah, qui a respiré une fois, qui a dormi une fois, qui a mangé une fois, qui est mort une fois, c'est un faux Dieu. N'adorez pas les dieux qui dorment. N'adorez pas les dieux qui mangent. N'adorez pas les dieux qui sont hommes. Si ton Dieu est homme, c'est un faux Dieu. Vas-y.
Nous les musulmans, tape nos poitrines pour dire on adore le vrai Dieu. Continue mon frère. Est-ce que vous avez compris le fond de ce verset? Après avoir compris ça, on demande au Créateur de nous guider sur le droit chemin, d'avoir pitié de nous parce que les faux dieux sont beaucoup sur la terre. Il y a un qui est habité, il lui dit, ça fait Kakou Philippe. On lui demande qui l'a envoyé, il dit, c'est Jésus-Christ qui l'a envoyé. On lui dit, toi tu es Israélien. Qui t'a dit que Jésus t'a envoyé? Qu'est-ce qu'il prouve? Lui, il dit, il est prophète. Si un homme embrasse sa femme dans la douche, il va en enfer. Vous avez remarqué ça, non? Ça ne vous fait rien. Il dit, toute personne qui donne la nourriture à quelqu'un qui n'est pas de sa religion, il va en enfer. Ça aussi, on dit, c'est Dieu. C'est Satan qui vous a envoyé. Mais voici le véritable. Quand on a connu le véritable, on demande au véritable de nous guider sur le droit chemin. Vas-y. Guide-nous sur le chemin droit, vas-y. Nous demandons au Créateur non. De nous guider sur le chemin droit. De ne pas nous guider sur un chemin de ceux qui ont couru sa colère. De ne pas guider sur ceux-là même, après avoir reçu la science, ont régné Allah, après avoir connu que Allah parle au travers de ses messagers, et il envoie les messagers pour venir les faire sortir des ténèbres à la lumière. Une fois ayant connu la vérité, tourne le dos au dernier messager qui leur soit venu. Allah dit, ils ont couru sa colère, et aussi des égarés. Plein sont des égarés ici, les frères. Le musulman doit faire attention, toujours implorer Allah de ne pas l'enlever de l'islam pour l'envoyer ailleurs. Parce que ailleurs n'est qu'égarement. Pourquoi? Vous adorez un Dieu non. Qui n'a ni forme, qui n'a ni physique, qui ne respire pas, mais qui a donné la respiration à toutes choses. Il est la respiration par essence et par excellence. C'est-à-dire, si lui ne donne pas la respiration, tu ne respires pas. Par contre, si la respiration n'existe pas, lui, il existe. C'est-à-dire que lui, il existe en dehors de la respiration. Alors, mais si ton Dieu a eu besoin d'une respiration, c'est qu'il était soumis à une loi de la nature plus supérieure à lui. Claire. Alors que Dieu, que nous adorons, créateur des cieux et de la terre, personne ni rien n'est supérieur à lui. Voilà pourquoi nous défions tout le monde. Nous appelons tout le monde à venir nous présenter l'unique Dieu. Si vous pensez que votre Dieu est vrai, ne vous cachez pas. Si vous pensez que votre Dieu est le véritable, alors ne vous cachez pas. Venez nous présenter par amour pour nous. Si vous nous aimez vraiment, venez nous dire qui est le véritable Dieu qu'on doit adorer. Non. Est-il un homme? Est-il une femme? Est-il un esprit? Ou est-il l'esprit? Alors, nécessité se fait sentir de connaître encore quel est le Dieu que les musulmans adorent. Comment il s'est présenté dans le Coran? Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle forme il a? Ou bien c'est... Il se dépouille de sa gloire, ou bien il monte, il descend, il va à gauche, il va à droite, il viendra lui-même, ou bien il n'est pas dans l'aller-retour venu. Écoutez très bien, qui est le véritable Dieu des musulmans? On prend d'abord protection contre ce véritable-là, contre le diable. Il est Allah. Point de divinité à part lui. Vas-y. لا تأخذه سنة ولا نوم. Vas-y. له ما في السماوات وما في الأرض. Son trône déborde les cieux et la terre. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Ce trône-là, il n'a pas besoin de gardien. Ce trône est tellement immense, mais lui, sa garde ne lui coûte aucune peine. Vas-y. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous le connaissez? Continue, frère. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Lui, on dit ni sommeil, ni somnolence ne le saisissent, frère. On dit, le Dieu des musulmans ne dort pas. Le Dieu des musulmans, sommeil ne le touche pas. Parce que celui dort. Ah, mais si Dieu dort, mais imaginez, c'est gâté. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Les cieux et la terre sont sous sa garde. Vas-y. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Non. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Voici le Dieu des musulmans, créateur des cieux et de la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Non.
Allah. Vas-y. Point de divinité à part lui. Il n'y a pas un autre Dieu à part lui. Le vivant. Il est le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Il subsiste par lui-même. Al-Qayyum. Il est Al-Qayyum. Ni somnolence. Ni somnolence. Ni sommeil ne le saisisse. Ni sommeil ne le saisisse. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Avant de venir prier, c'est lui-même qui te donne la permission de venir vers lui. Si tu n'as pas donné la permission, tu ne sauras rien, tu ne pourras rien. Il connaît leur passé et leur futur. Il connaît ton passé. Ton présent et ton futur. Vas-y. Et sa science. Et de sa science. Il embrasse. Il embrasse. Et de sa science, il embrasse. Et de sa science, il embrasse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Vas-y. Son trône al-Kursi. Il a un trône al-Kursi. Déborde les cieux et la terre. Déborde les cieux et la terre. Mais comment cet homme dont la garde ne lui coûte aucune peine. Comment ce Dieu plutôt? Comment ce trône-là déborde les cieux et la terre? Et que le garant de ce trône l'a fait venir sur terre. Il est le très haut. Il est le très haut. Il est le très haut. On va s'arrêter là pour l'instant. Pour vous dire, voici l'identité de la divinité adorée par les musulmans. Il est celui qui ne ressemble à rien de ce qu'on peut lui imaginer. Il est celui-là qui a la domination sur tout et rien ne le domine. Il est celui-là qui n'a pas besoin de venir physiquement sur terre, mais qui contrôle la terre. Il n'a pas besoin d'aller en enfer, mais il contrôle l'enfer. Il n'a pas besoin d'aller au paradis, mais il contrôle le paradis. Il n'a pas besoin de venir se faire homme pour comprendre les hommes, parce que c'est lui qui a créé les hommes et il sait ce que leur âme leur suggère. Voici le Dieu des musulmans. Alors, s'il y a un autre Dieu supérieur à lui, s'il y a un autre Dieu mieux que lui, mieux qualifié que lui, plus glorieux que lui, plus puissant que lui, nous invitons toute la population d'annoncer, d'appeler tous les hommes de Dieu, non, qu'ils peuvent composer leur numéro. Dites aujourd'hui là, on est venu faire valoir qui est le véritable Dieu. S'il est le véritable, on est prêt à le suivre. On veut voir le véritable Dieu. Si vous ne venez pas, c'est que c'est les musulmans qui adorent le véritable. Alors si vous savez que les musulmans adorent le véritable Dieu, alors n'adorez personne en dehors de ce Dieu-là et veillez à votre âme. Il ne faudrait pas que la mort vous trouve dans l'adoration de la créature au lieu du créateur. Non. Si tu sais très bien au fond de toi qu'il n'y a pas un autre Dieu à part Allah, alors tu attends quoi pour l'adorer? Maintenant, si tu sais au fond de toi qu'il y a un autre Dieu à part Allah, on t'attend. Sur ce, on va partir à la partie des questions-réponses. Ce qui est bien, c'est que quand nous on parle, on donne la latitude aussi aux autres de parler, de s'exprimer librement, de poser des questions, de venir à l'échange direct, au débat dans la courtoisie, dans le respect et dans la cohésion. Alors, nous invitons tous ceux qui ont inscrit les noms sur la feuille de venir poser les questions et ceux aussi qui sont dans le public qui aimeraient échanger avec nous de venir directement sur ce qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'ils fassent de cette occasion une meilleure occasion propice pour nous. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus à tous. Inch'Allah, on va ouvrir le scanner. Nous appelons ici Monsieur Parfait. Monsieur Parfait, demandez. Le scanner, l'échange, voilà pour que vous puissiez poser toutes sortes de questions. Si ce que vous voulez savoir, nous sommes là pour vous parler en tout cas de cette belle religion. Vous invitez également à adhérer à cette religion. S'il y a des gens aussi qui veulent se convertir à l'islam, c'est le moment. On y va, monsieur Parfait, bonne arrivée. Micro. S'il vous plaît. Oui, lève le micro encore, voilà. J'aimerais savoir si la religion est faite seulement pour une seule religion. Si Si le paradis est fait seulement pour une seule religion. Est-ce que le paradis est fait pour une seule religion? Le paradis est créé pour ceux qui adorent le véritable Dieu dans la religion du véritable Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de religions. Mais il y a une seule religion. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a une seule religion donnée par l'éternel Dieu lui-même. Mais les êtres humains, chacun a créé sa religion autour de la religion de Dieu. Maintenant, ce qu'eux, ils ont créé eux-mêmes leur propre religion là. Ils auront eux-mêmes leur paradis. On verra comment ils accéderont à leur paradis de leur propre gré. Mais la religion que Dieu lui l'a donnée, voici comment on doit m'adorer. Voilà comment il faut se comporter. C'est pour ça qu'en islam, nous ne nous inventons pas une manière d'adorer l'éternel Dieu, mais c'est à l'éternel Dieu de nous dire voici comment il faut m'adorer, et puis pour rentrer dans mon paradis là, voilà les conditions.
Et il a dit, entrez dans mon paradis. Il dit, ça l'appartient. Personne d'autre en dehors de lui n'a dit, voici mon paradis. Tu peux avoir ton paradis qui est ton villa, et ta villa, ton château. Mais le paradis que l'Éternel Dieu a donné, c'est ceux qui auront obéi à lui, à ses lois, l'adorer, c'est ceux-là qui vont entrer là-bas. Maintenant, ceux qui ont créé eux-mêmes leur religion, si Dieu a créé sa religion, il a son paradis, non? Si quelqu'un a créé sa religion, il a aussi son paradis là-bas. Maintenant, on va voir entre ces paradis-là, quel est le vrai. En tout cas, nous, on dit que c'est celle de l'islam. Bon, ok, merci beaucoup. Ok, il y a autre question encore. D'accord. Bon, il y a le groupe des musulmans qui réussissent à manger nourriture des chrétiens. Exemple. Bon, ceux qui portent les foulards noirs, eux, ils sont les dans nourriture pendant la fête, eux, ils disent, je ne comprends pas aussi. Non, ceux qui portent foulard noir, non, il n'y a pas de musulmans qui se distinguent par foulard noir, etc. Voilà, maintenant. Voilà, les Arabiens là. Non, on est tous musulmans. Voilà, ok. Bon, ouais, on va tester. Attends, lui. Bon, je ne sais pas. Elle dit que pour manger la nourriture d'un chrétien, que c'est pas bon. Moi aussi, je n'arrive pas à comprendre. Pourtant, il y a deux qui mangent. Mais eux refusent. Je ne comprends pas aussi. Ah bon, c'est leur manteau. Tu ne peux pas l'obliger à manger. Non. Elles disent que c'est pas bon, même. Que c'est pas bon. C'est pas à ce que je lève. Elles disent que c'est pas bon. Mais si quelque chose n'est pas bon pour toi, tu ne manges pas. Tu vois, non. Non, elle veut dire que manger la nourriture des chrétiens, même là, en tant qu'un musulman, c'est pas bon. Bon, nous, on n'a pas encore vu ça dans le Coran où on dit qu'il ne faut pas manger de nourriture des chrétiens. Il y a un problème. Okay. Donc, les Wahhabiens vont attirer ça. Attends, on va venir. Pas dépressé, ça va arriver. Maintenant, ça dépend de quelle nourriture et de comment est-ce que la nourriture a été conçue. Pendant la fête. Voilà. Par exemple, pendant la fête. Bon. Le jour, par exemple, je prends par exemple la fête de Pâques. Oui. Voilà, je prends la fête de Pâques. Non, ou bien je prends la fête de Noël. De Noël, par exemple. Tu vois. Frère, est-ce que tu sais ce que... Tu es chrétien, non? Tu es un chrétien? Oui. Est-ce que tu sais ce que signifie Noël? Noël, là. Non. Bon, tu sais pas. Noël, là, non. Ça veut dire, Dieu est venu sous forme humaine. Il est né en la personne de Jésus. Il a été accouché par Marie. Tu vois, non? Dieu, il est venu dans le ventre d'une femme qu'on appelle Marie et elle a accouché Dieu, son fils là, il s'appelle Jésus. C'est son anniversaire là qu'est Noël. Tu vois, non? Or, pour le musulman, Dieu ne peut pas venir dans le ventre d'une femme. Encore naître pour être un enfant, pour avoir un jour d'anniversaire. Donc, du coup, pour ce musulman là, soucieux de sa religion, pour ne pas contredire les valeurs de l'unicité de Dieu, pour ne pas contredire sa religion, il ne peut pas participer à la fête avec toi. C'est-à-dire en mangeant ton plat, en célébrant la fête avec toi. Parce que consommer cet aliment dans ce temps précis-là serait commémoré aussi avec le chrétien l'idée selon laquelle Dieu est venu sous forme humaine et il est né à la personne de Jésus. Donc du coup, ça contredit sa foi, ça contredit sa religion. Voilà pourquoi dans le cas précis là, il refuse de manger la nourriture de la fête. Est-ce que tu comprends? Et pour le comprendre, c'est de droit. Il a raison. Parce que si moi, je ne suis pas d'accord que Dieu vienne sur la terre, je ne suis pas d'accord avec cette idée-là, je ne peux pas commémorer cette fête-là avec eux. Je donne un exemple. Toi étant chrétien, imagine tu arrives dans un village. Il prend l'exemple, hein. Tu arrives dans un village et ton voisin, lui, il est féticheur. Ton voisin, il est féticheur. Il fait ses fétiches, attends, mais tu vois. Maintenant, il y a un jour, tu sais, chez les féticheurs aussi, là, il y a un jour de fête aussi. Maintenant, imagine le jour de fête, là, il t'invite, il dit, ah, voisin, viens, on va fêter ma fête de fétiches là ensemble. Tu as bâti? Non, il n'est pas bâti. Ah, toi aussi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu n'as pas bâti? Tu connais rien. Non? Tu ne peux pas partir parce que ça contredit ta foi. Tu sens que le fétiche et puis toi, c'est pas la même chose. Oui. Tu n'es pas d'accord avec le fétiche. Ouais, ouais. Voilà pourquoi tu ne vas pas aller manger sa nourriture. Toi, tu es sûr que tu peux manger plat d'un fétiche? Non, il ne peut pas. Surtout que c'est viande et puis sa sauce là, c'est rouge. Tu ne sais pas où c'est quitté. Non. Peut-être que c'est moulé de quelqu'un qui l'a coupé là. Ouais. Donc, tu as de méfier. Donc, voilà un peu. Et puis également, pour ajouter rapidement, ils ne mangent pas aussi la nourriture là parce qu'ils se disent quoi? Poulet qui est dedans, elle s'est égorgée.
est-ce qu'il n'y a pas POC? Est-ce que, à partir du moment où tu doutes aussi de quelque chose, il faut laisser. Ça ne gâte pas la fraternité. Hein. Ça ne veut pas dire que tu deviens son ennemi. Non, simplement, il se méfie parce que lui, sa religion lui interdit un certain nombre de choses. Voilà un peu, Inch'Allah. Il y a une autre question encore. Non, alors, j'attends parler que. J'ai... Mais lui, il a la question à poser. Lui, au moins, si il vient poser des questions. Si vous avez des questions, allons-y. Hein. Ok, il n'y a pas de souci. Je suis pas venu pour le débat. Non, c'est pas que je vais poser des questions seulement. Merci, mon frère, toi au moins. Bon, j'attends parler que Jésus reviendra. Donc, il veut savoir si c'est vrai ou c'est faux. C'est sa question, normalement, c'est sa question. Nous, on a entendu ça. Ouais. Et Jésus revient. Jésus, après Jésus là. Vraiment. Ouais. On est ça. Donc, oui. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce que je dis là. Pour certains, c'est vrai, pour certains, c'est faux. Par exemple, pour toi, mon frère chrétien, toi, tu penses que Jésus reviendra. Il aura l'enlèvement. Il va venir vous chercher pour aller au paradis. Maintenant, nous, musulmans, nous disons, Jésus reviendra. Beaucoup ne sont pas d'accord avec eux. Mais nous disons, oui, s'il revient, ce n'est pas pour vous prendre. C'est peut-être pour venir dire, ah, quand j'étais venu premièrement, voilà ce que je faisais. Je priais, je me prosternais, mon front à terre. Il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Ses disciples prenaient les ablutions. Il y a beaucoup de choses qu'il va venir dire en même temps. Voilà. Vous dites, bon, c'est ça là que j'ai enseigné. Mais quand je suis parti là, ils ont changé tout ça là derrière moi. Donc il faut que lui revienne pour corriger ça là aussi. Il y a beaucoup de choses à dire dessus, mais brièvement. Hein, voilà. Okay, merci beaucoup. Merci à toi. Bon. Mais tu es chrétien, non? Si, je suis chrétien. Qu'est-ce que tu connais de l'islam par exemple? Bon, je ne connais rien dans la Bible, dans le Coran. Bon à dire. Donc ouais. Quand tu vas à l'église, Jean. On convoit quoi. C'est souvent. C'est souvent même. Bon, alors, je voudrais savoir. Hein. Bon, si Jésus revient aujourd'hui, exemple, si Jésus revient aujourd'hui là, hein. Si nous vient nous montrer la bonne voie, hein. Si moi, s'il dit, oh, la région musulmane, c'est la bonne région, hein. Nous tous, on devient musulmans. Est-ce que ça a été trouvé Jésus? Attends, moi, la partie là. Si on dit, on vient, c'est pas quand il va venir. Faut finir. Ok, s'il vient aujourd'hui, voilà. Et puis dit, oui, la région musulmane, c'est la bonne région. Hein. Ok. Nous, au moins, il est venu et puis il nous a montré la bonne voie. Hein. Mais ceux qui sont morts avant qu'il ne vienne, si ils meurent, est-ce qu'ils vont aller en mer? Très belle question. Mais avant de. J'ai posé une très belle question. Oussas va se charger de la question même dans son fond. Mais moi, je vais te ramener. En fait, dans ta question, il a volé un peu une partie pour t'amener à comprendre quelque chose. Imagine que Jésus descend tout à l'heure à Lyon, sur 16h. Il va aller dans quelle église? Bon. Chez les catholiques. Je suis quand il va descendre là, nous tous. S'il va venir vraiment, nous tous, on va le voir. On va le voir. On va le voir. Maintenant, dimanche, il va aller dans quelle église? Dimanche. Hein. Bon, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Il y a problème. Dans ce moment-là, s'il si revient. Non, c'est-à-dire, s'il revient, il ne va pas aller à l'église, non? Oui. Ah. Si Jésus vient, hein. C'est tous ceux qui sont morts avant qu'ils ne viennent, ils auront un enfer. Non, on va arriver d'abord sur eux. Ils auront au paradis. Parce que si Dieu existe vraiment. Pourquoi est-ce que lui va venir, il lui va envoyer Jésus? Or, d'autres sont morts avant lui, d'autres sont vivants avant qu'il va venir. Pourtant, nous, on va nous parler, puis ceux qui sont morts, ils vont aller en enfer. C'est pas normal, non. Mais c'est pas normal. C'est que ceux qui sont morts avant Jésus, le prophète qui était avec eux à leur époque, s'ils ont cru au prophète là, ils seront sauvés. Ils vont au paradis. Si Moïse était là, c'est pourquoi dans la Bible, par exemple, dans Luc chapitre 19, je crois, et Abraham dit à le riche. Hein, Barbazak et Lazare qui étaient là, il dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc l'objectif pour que Dieu envoie les prophètes, c'est pour les écouter. Ceux qui ont cru au temps d'Abraham à Abraham, ils seront sauvés. Ceux qui ont cru à Moïse, quand Moïse était là, ils seront sauvés. Ceux qui auront cru à Rasoul Sallam, aujourd'hui, ils seront sauvés. Ceux qui ont cru en Jésus, au temps de Jésus, ils seront sauvés. Maintenant, ceux qui croient en Jésus aujourd'hui, alors que le temps de Jésus est passé, il faut qu'il se conforme rapidement au dernier prophète qui est venu après Jésus pour qu'il soit sauvé. Toi, par exemple, tu devais être sauvé aujourd'hui. Bon, moi, je suis un chrétien, mais je reconnais que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Là, seulement, je reconnais. Parce que Jésus-Christ n'est pas Dieu, je reconnais. Voilà, merci. Mais, on va juste dire, tu as fait un pas. Tu reconnais que Jésus n'est pas Dieu. Oui, moi, si moi, je regarde votre vidéo et puis un pasteur vient s'arrêter devant vous pour dire Jésus-Christ est Dieu. Là, il était abonné à dire, bon, je ne suis pas d'avis avec lui. Ok. Mais non, ça passe. Ça passe pas, non. Ok, merci. D'accord. Tu as déjà fait un pas. Si Jésus n'est pas Dieu, c'est qu'il est l'envoyé de Dieu, c'est ça, non? Oui, c'est un prophète. C'est un prophète, très bien. Si Jésus est un prophète et que tu crois en Jésus, c'est déjà bon. Ce qui veut dire qu'il y a un Dieu
voilà, qui n'a rien à voir avec Jésus. Voilà. Maintenant, Jésus dit, c'est pas suffisant. Si tu crois en lui, là, il faut aussi que tu crois à un autre prophète qui va venir après lui. D'accord. Tu vois, non? Et le prophète qui est venu après Jésus, là, il s'appelle Muhammad. Donc, pour que toi, tu sois sauvé aujourd'hui, il faut croire en Jésus et puis il faut croire en Muhammad. Est-ce que là, tu es prêt à croire aussi que le prophète Muhammad est un véritable messager envoyé de Dieu? Tu refuses ça, quoi? Après. Cependant. Pas un place, je ne peux pas. Jean chapitre. Non. Matthieu 7. Attends, tu dis après. Bon. Jean, ça veut dire. Quand il va quitter, s'il n'est pas allé réfléchir, puis il va commencer. Qu'est-ce qui prouve que tu seras vivant? Non. C'est moi, c'est ça. Non, mais nous, ton âme nous intéresse. Nous, on ne veut pas que tu aies un enfant. Ouais. Dieu va t'appuyer. Ça nous fait pas rire. Nous, pardon, il y a une question, quoi. Vas-y. Ouais, il me reste à voir où. Pourquoi en bon supposant, si c'est l'islam qui est la meilleure religion, pourquoi quand Dieu nous crée là, pourquoi il n'a pas fait tout le monde musulman, et puis il a fait d'autres chrétiens, d'autres musulmans. Ah, ça, et puis, si on est venu dans la vie maintenant, c'est ça, nous, on veut nous faire croire que c'est une, parmi tous les religions, c'est une seule religion qui est bon. Très belle question. Supposant, si tu n'es pas parti à l'école, comment est-ce que tu vas lire le Coran ou toi, bon, pour savoir que la bonne religion, quoi. Souvent, si tu es au campement, juste quand tu es à moi là-bas, tu n'es pas parti à l'école, tu passes à il a raison. Non, ça c'est. Alhamdulillah. Après. Surat 16, 93. Bismillah. Si Allah avait voulu. Si Allah voulait là. Il aurait certes fait de vous une seule communauté. Il allait faire de nous tous une seule communauté. On allait devenir tous musulmans. Mais il laisse s'égarer qui il veut. Il laisse. Tu choisis ta voie. Et guide qui il veut. C'est-à-dire que tu as le choix. D'ailleurs. Où tu es là. Je veux que tu deviennes musulman. Tu es prêt? Tu as dit non. Ah! C'est pas Dieu, c'est toi qui as refusé. C'est toi qui refuses. Donc là, on te propose l'islam de la meilleure manière. On veut que tu deviennes musulman. Si toi tu refuses et que tu restes dans la voie que tu es et qu'on arrive au ciel, comme tu crois que Jésus n'est pas Dieu, on tombe sur le trône, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Est-ce que tu pourras dire, je n'ai pas entendu parce que je n'étais pas au courant, on ne m'a pas dit. Mais on t'a dit, tu as refusé. Donc tu as ton choix toi-même, c'est toi qui décides et c'est toi qui refuses. Mais là, c'est lorsque. Bon, supposons, ici elle là, et puis ici, bon, il peut descendre. Supposons, et si elle est au campement maintenant? Même si attends, je veux savoir. Tu es élève actuellement? Si, c'est élève. D'accord. C'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire que, avant toi, il y a des gens qui ont cru que je n'étais pas élève. Oui. Voilà. Le fait de croire n'est pas un fait, c'est pas un fait qui résume de l'intellect. Bon, je vais peut-être parler doucement. C'est pas, le fait de croire là, ça n'a rien à voir avec aller à l'école. Parce que Dieu lui-même, quand il nous créait là, il ne nous a pas créé à l'école. Il nous a créé libre. Et il nous a demandé d'aller vers la connaissance. Et Dieu a mis la capacité en nous de pouvoir savoir ce qui est bon et ce qui est mal. C'est en fonction de ça qu'il va nous juger. Et ce qui est, il a mis deux. Dieu dit, j'ai mis deux voies sur ton chemin. Choisis le bien et tu vivras. C'est-à-dire, toi, étant conscient, Dieu t'a donné une chose gratuite. Ça s'appelle le cerveau et la capacité à discerner. C'est-à-dire que toi là, même si tu ne vas pas à l'école, même si tu n'as jamais mis pied à l'école. Si ça là, on te dit c'est rouge, tu as dit non. C'est pas rouge. C'est Surat 30, le verset 30. Vas-y frère. Dieu dit, regarde ce que Dieu dit dans ce verset. Dirige tout ton être envers Dieu, la religion exclusivement pour Allah. Dieu dit, Dieu amène à l'homme à se diriger exclusivement vers la religion qu'il a donnée à l'homme. Vas-y. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Il dit c'est la nature qu'il a originellement donnée à l'homme. C'est-à-dire que c'est dans le fond de l'homme, il connaît ce qu'on appelle se soumettre à Dieu. Il connaît ce qu'on appelle obéir à Dieu. Et puis refuser d'obéir. Donc déjà là, tu ne seras pas jugé sur la base de ton intellect, mais tu seras jugé sur la base de ta propre conscience. Parce que dans ta conscience là, et dans ton subconscient, tu connais ce qui est le bien et ce qui est le mal. Pas de changement dans la création. Le bien s'offre à toi. Dieu dit, viens l'adorer. En respectant ses ordonnances et ses prescriptions, et puis crois au dernier messager que moi j'ai envoyé. On n'a plus besoin d'aller à l'école pour ça. Voilà la religion de la droiture. C'est une question de droiture, c'est une question d'intellect, et plutôt c'est une question de bon sens. C'est pas une question d'intellect. Quand tu as le bon sens, tu connais ce qui est vrai de ton fond intérieur, soit tu acceptes ou soit tu refuses. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir qu'il ne faut pas tuer son prochain. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir ça. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir qu'il faut faire le bien autour de soi. On n'est pas allé à l'école pour savoir. C'est en nous, c'est une nature que Dieu a mis en nous. Et c'est cette nature-là qui nous permettra de pouvoir bien marcher, de pouvoir bien nous orienter.
Donc toi, tu as la possibilité aujourd'hui de choisir entre faire le bien et faire le mal. Faire le bien, c'est de devenir musulman. Faire le mal, c'est de refuser d'être musulman. Tu choisis quoi? Bon. Moi, je pas vous répondre pour le moment. Merci beaucoup. On va passer au prochain, Inch'Allah. On rappelle que demain, Inch'Allah, 20h, 22h, nous serons à Kangourou, n'est-ce pas, à l'espace de la solidarité au château. Demain, samedi, et dimanche également, l'apothéose, 20h, 22h. Vous êtes tous invités. Venez, c'est la DDR, la Dawa dans la rue. Scanner. Inch'Allah. Monsieur Kone Ali. Ali Kone est demandé. Rapidement pour poser sa question. Je connais Ali. Maintenant, si les soeurs veulent poser des questions, le micro va aller vers vous là-bas. Vous serez amené également à poser les questions que vous voulez, Inch'Allah. Non, Bismillah, salam alaikum. Bismillah, micro. Hein. Votre stagiaire, j'ai voulu poser une question. D'accord. Par exemple, c'est concernant les heures de prière. Une fois étant peut-être que tu es en voyage, tu as déposé peut-être à Abidjan à 14h après avoir fini la prière de 14h. Et tu arrives à Abidjan à 18h. Donc, je vois que c'est 18h en plus d'abord ou bien c'est 16h en plus d'abord avant d'atteindre. C'est 16h normalement, puisque c'est lui qui apprend 18h. On peut faire les deux en même temps. Oui, tu pries d'abord 16h et ensuite tu fais 18h. Si 19h m'arrive, après tu fais ça également. Ok, c'était ça. Inch'Allah, quand on donne la bonne compréhension. Scanner, prochaine question. Monsieur Traoré Ousseini. S'il y a des gens aussi qui veulent adhérer à l'islam, c'est maintenant ou jamais. Voilà, les portes du scanner sont là pour vous amener au salut éternel. Exactement. Alors nous vous invitons tous à poser des questions. Ceux qui ont des questions, il n'y a pas de petites questions, toutes les questions sont là. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Excusez-moi, c'est pour savoir que si un musulman peut marier un chrétien. Oh. Oui. Non, c'est pour savoir. C'est pour savoir, voilà, c'est pour savoir. C'est ça même. Bon. Ouais, ouais, ça c'est. On a dit question-réponse, c'est sa question. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Quand on donne la bonne compréhension, Amin. Nous disons, avant de dire oui ou non, il faut expliquer. Moi, si on me demande personnellement, si quelqu'un veut marier ma fille, il est chrétien. Qu'est-ce que je dois lui dire? Je vais lui demander quelque chose d'abord. Frère, oui, tu veux marier ma fille? Oui. C'est pas ton argent qui m'intéresse. Parce qu'au ciel, c'est pas l'argent qui fera ton paradis ou pas. Quel est ton Dieu? Il s'appelle comment? Si tu me dis Bouddha, je dis je veux pas. Si tu me dis Judas, je veux pas. Si tu me dis Jésus, je veux pas. Mais je serai amené à te démontrer, si tu me dis par exemple, donné que tu es chrétien, c'est Jésus qui est mon Dieu. Je dis Alhamdulillah. Ma soeur est là, ma fille est là. Prouve-moi, selon les Écritures, que moi-même, le père de ma fille, c'est Jésus, je dois adorer. Je vais te donner ma fille. Si tu arrives à le faire, elle est pour toi. Parce que ça prouvera que même moi, le père, même je n'adore pas le vrai Dieu. Exactement. Mais si tu n'arrives pas à le faire, maintenant, comment puis-je te donner mon enfant pour aller peut-être adorer un Dieu que toi-même tu ne connais pas? Que ma fille peut-être va être amenée à l'adorer. Il y a là le problème. Deuxièmement, non. Je vais aussi te poser la question. Hein? Marier la fille musulmane là, étant donné que tu es chrétien, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu crois à son Dieu? Question. Honnêtement, tu vas dire non. Non. Est-ce que tu es sûr que si tu maries ma fille, si elle est morte là, elle ira au paradis selon ta religion? Si elle reste musulmane, quoi? Tu vas dire non. Parce que si tu dis oui, je vais te demander, mais tu crois qu'elle sera sauvée? Pourquoi toi tu ne deviens pas musulman? Puisque tu sais qu'elle sera sauvée. Non. Tu vas me dire non, elle sera pas sauvée selon ma foi. Ma fille, est-ce que ton mari là, il croit que Jésus est Dieu? S'il meurt, il sera sauvé? Elle va dire non. Mais Allah dit dans le Coran que entrez au paradis vous avec vos épouses. Mais qu'est-ce que je dois dire au frère? Mon frère, viens adorer le Dieu de Jésus, d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël, de Moïse, etc. Mon frère, tu ne deviendras pas djoula, hein, mais tu deviendras musulman. Tu ne deviendras pas arabe, mais tu deviendras musulman. Et je lui montre, je lui fais la dawa maintenant. Je lui présente le vrai Dieu du Coran. Je l'exhorte. Et d'ailleurs, si tu veux marier ma fille, ne te convertis pas pour marier ma fille.
convertis-toi parce que l'islam est vrai et ensuite tu pourras marier ma fille. Parce que le jour où vous serez en palabre et que le divorce va arriver, tu resteras musulman. Et c'est ton salut qui m'intéresse d'abord avant le mariage de ma fille. Ma fille, ma belle-fille ne peut pas aller en enfer. Moi, je sais que ma belle-fille ne sera pas sauvée. J'ai dit quand même, allez-y. Et toi, chez toi, peut-être dans ta religion, on mange poc. Chez elle, on mange pas poc. Si on renverse par exemple. Si elle est chrétienne, chez elle, peut-être on mange poc, on boit l'alcool. Si elle a payé casier de bière, elle va mettre dans ton frigo que tu as payé. Tu serais d'accord? Non, non, non. Non, pourquoi non, non, non. Maintenant, si le jour. Parce que c'est un musulman. Ah, mais c'est ta femme. C'est ta femme. L'homme qui dira son père et sa mère s'attachera à sa femme, et l'amour n'a pas de frontières, encore moins de courant. Comme il y a polémique. Voilà, on attend de vous expliquer quoi. C'est vrai, on sait qu'il y a polémique. On attend de montrer où ça est en train de faire ressortir le vrai problème même qui va donner suite à une conclusion à laquelle chacun de nous, en tant qu'homme, sera satisfait dans son fond intérieur. Parce que si on vient dire non, on a quoi pour dire non? On se base sur quoi pour dire non? En islam, on va vous donner Dali. Si tu dis c'est faux, faut montrer. Si tu dis c'est vrai aussi, faut montrer. Maintenant, Allah dit dans le Coran, surat al-Baqara, surat la vache, verset 221, on y va. Et n'épousez pas des femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Ici, on dit, Allah dit, n'épousez pas les femmes associatrices, c'est-à-dire celles qui associent d'autres divinités à Allah. Ne les épousez pas. Il n'a pas dit prenez-les pour ennemis. Non, 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 ne les épousez pas. Continue. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice. Tu peux marier une esclave. Si elle est croyante, elle croit en Allah au jour dernier, à la résurrection, etc. Elle est mieux que celle, pas chrétienne forcément, hein, celle qui associe autre divinité à Allah. Non, 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 non. Le plus grand péché dans le Coran comme dans la Bible, c'est l'associationnisme, associer d'autres divinités à Allah. Oui. Continue. Même si elle vous enchante. Même si tu es fan d'elle, comment continue. Et ne donnez pas d'épouse aux associateurs. Ne pas donner ton enfant à quelqu'un qui va associer d'autres divinités à Allah. Faut pas faire ça. Tant qu'ils n'auront pas la foi. Pourquoi Allah dit ça? Vas-y. Continue. Et certes. Oui. Un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur. Allah donne la raison. Pourquoi lui il a dit ça? Continue. Un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur, même s'il vous enchante. Continue. Car cela. Les associateurs, grâce à l'association qu'ils font, c'est l'enfer. Ils invitent au feu. Alors que. Tandis qu'Allah oui, invite de par sa grâce. Allah de par sa grâce, par rapport à ce qu'il vous a dit. Si tu suis ces enseignements-là, il t'invite où? Au paradis et au pardon. Qui ne veut pas aller au paradis? Tout le monde veut aller au paradis. Mais les gens diront, mais c'est les musulmans qui disent, on ne peut pas marier les enfants. Mais ah bon? La Bible en a parlé. 1 Corinthiens 7 verset 39. La femme est liée à son mari. C'est-à-dire, avec les mariages là, c'est ce qu'il a dit à une soeur. C'est-à-dire, il a parlé. Il y a une soeur qui est venue me rendre visite au bureau, qui est venue nous rendre visite au bureau. Elle dit qu'elle veut se convertir à l'islam. Mais on a lui expliqué les choses. On a commencé à midi. Il dit qu'à 16h, après on va finir. On a expliqué jusqu'à la fille était un peu convaincue. Elle dit, bon, elle veut se convertir, mais il manque une dernière chose. Est-ce qu'elle peut marier un chrétien? Et il y a eu tort de dire non. Elle dit, ah, après des mariages, là, c'est bizarre. Elle connaît des musulmans qui ont marié des musulmans et des chrétiens aussi qui ont marié des musulmans. Elle dit, ma soeur, nous, on sait. Mais ce mariage-là, si on veut regarder normalement, en fonction des écritures, c'est un mariage qui est hypocrite. C'est-à-dire, tu dis, bébé, je t'aime. Alors que dans ton cœur, tu sais qu'elle va aller en enfer. Ça, c'est quel amour? C'est pas l'amour. Maintenant, regardez. J'ai dit, si chacun doit regarder ce que son livre dit là, il n'aura pas parlable. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'affaire du mariage là? Est-ce qu'une femme chrétienne peut marier un musulman? On va savoir. Lecture. La femme est liée à son mari aussi longtemps. La Bible dit, la femme reste liée à son mari aussi longtemps qu'elle vit. Si le mari meurt. Si son mari meurt maintenant là, elle est libre d'épouser qui elle veut. Elle peut se marier avec celui qu'elle veut. Mais un chrétien seulement. Non. Reprends bien la lecture. Ils ont une condition. Ils ont dit quelque chose. Vas-y. La femme est liée à son mari aussi longtemps qu'il veut. Non. Si le mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut. Non. Mais à condition qu'il soit chrétien. Qu'il soit chrétien. Est-ce qu'il n'y a pas là, papa? Non, non, papa. C'est fini.
Bible dit, la femme là, doit marier chrétien seulement. Si un chrétien est soucieux de ces textes, est respectueux de ces textes, le jeune musulman va là-bas, il faut le chasser. Soit il devient chrétien, ou soit vous tous vous devenez musulman. Parce que à chacun, comme eux-mêmes ils aiment dire ça, à chacun sa religion. Donc à chacun sa femme, à chacun sa fille, à chacun son mariage. Donc ce qui est clair, les textes disent qu'on peut en donner femme à quelqu'un. Si tu veux marier, c'est pas une question de manque d'amour. C'est pas parce que Dieu ne veut pas qu'on soit ensemble. D'autres diront que ah mais l'amour n'a pas de frontières. Mais l'amour c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Dieu lui veut de l'ordre. Parce que par exemple, je donne un dernier exemple. Toi le musulman qui marie par exemple une sœur qui n'est pas musulmane. Nous les musulmans, quand on finit d'avoir des intimités propres avec notre femme, on fait quoi? On fait le djanaba. En fait, djanaba, non. Bon, toi, l'homme, quand tu as fini, tu as fait djanaba. Maintenant, et femme, là. Si elle ne fait pas, tu fais quoi? Tu l'oublies, maman. Mais même si elle fait, elle fait ça comment? Elle fait ça sur base de quoi? Elle ne croit pas. Oui. Donc, c'est pas dit que tu vas marier femme qui ne fait pas djanaba. Il y a une maman qui donne sa fille, ah. Ils ont fini de marier à la mosquée. On dit, bon, on va à l'église. N'est-ce de l'église qu'on a? Il lui donne ça dans ma voix. N'est-ce de l'église qu'on a? Pourquoi? Voilà. Coran 132. Quoi? Coran 132. Vas-y. Et commande à ta famille la salat. Il faut commander à ta famille la salat. Et fais-la avec persévérance. Bon, ma famille va à l'église. Je lui commande la salat comment? Allah dit, commande à ta famille la salat. Fais-la avec persévérance. Ma famille ne va pas faire la salat. Je lui commande ça comment? Soit je mets les textes d'Allah de côté et je fais ce que je veux. Parce que comme l'amour n'a pas de frontières, voilà, quelqu'un a envoyé sa femme à son papa. Il dit, papa, c'est ma femme. Le vieux dit, ah! Tu quittes là où? Quand non, mais le vieux, l'amour est aveugle. Je sais que l'amour est aveugle, mais c'est toi-même, tu vois pas clair. C'est de ça que je parle là. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème c'est aussi, papa, regardez, c'est que non. Imaginez une fois, imaginez un truc. Hein. Si tu demandes à un chrétien ou bien à un musulman, laissons après les chrétiens, tu demandes à un musulman qui peut donner sa fille à un féticheur? Personne, non. Mais ils disent que l'amour n'a pas de frontières. Pourquoi vous ne donnez pas vos enfants aussi aux féticheurs? Moi, je connais deux féticheurs, ils sont au Bénin, ils disent marier une femme musulmane. Celui qui veut donner sa fille, moi, allez lui donner. Si l'amour n'a pas de frontières, si on peut se marier à tout le monde, on va donner ta fille à un féticheur, puis on va voir. Non, c'est impossible. Et à un moment donné aussi, nos parents ont commencé à donner aussi des enfants à des personnalités. Ils s'en foutent de sa religion. C'est-à-dire quoi? Voici le problème aussi des musulmans. Vas-y, frère. Il dit, donne pas sa fille à un chrétien. Voilà. Mais quand c'est un joueur, il donne. Et le gars il boit bien, il prie pas. C'est-à-dire, quand le monsieur vient demander la main de sa fille, il demande pas, il fait quoi? Il est de quelle région? Il demande, il fait quoi? Elle dit, ah, c'est un entrepreneur, en tout cas, il est dans mine et énergie. Ouais, il va cacao. Il dit, mine et énergie là, c'est quoi? Sani me boit la yoro minake. Sani, Sani, Ani Djama. Voilà ma fille. Mais quand la fille vient avec un musulman qui est moisi, papa demande Bitu. Il fait quoi? Il fait quoi dans la vie? Non, papa, allez avec Seri Bourrela Misri là. C'est-à-dire, Alimania. Il fait quoi? Elle dit, papa, il s'est mieux. Nos parents, revoyons ce côté. Il dit, tu n'es dans la vie, là, quand c'est mieux, tu nous envoies. Tu as vu? Donc, Dieu est quitté dedans maintenant. Nous, on t'a dit, on veut mélodie dans nos oreilles. C'est-à-dire, il refuse de donner sa fille à un chrétien et plutôt à un musulman qui est moisi, mais il préfère donner à un non-musulman qui a l'argent. Ça, on trouve ça chez nos parents aussi. Ça aussi, c'est pas bon. Ça aussi, c'est pas bon. Quand tu vas demander aussi mère et sa fille, hé, hey, d'autre là, Lys, qui fait là? 12 de laisser. 12 complets de bœufs et de pagnes. Et 2 troupeaux de bœufs avec. Lys là, ça peut faire 3 000. Pagnes même, c'est pas possible. Puis les pagnes de qualité. C'est pas un. C'est ça. Il y a pour l'oncle là. Il y a pour tonton qui est au village, il y a pour celle-là. Le gars dit finalement, c'est bon, faut attends, lui, c'est débris. Et après, tu vois, elle est enceinte. Tu as refusé de donner halal. Il a passé par derrière, il a allumé. Tu cherches maintenant propriétaire. Vous voyez. Voilà ça. Et puis, on est dedans, on est dans les mariages où on dit, bon, ce nouveau ne marie pas. Peu. Et puis, peu ne marie pas ça. Bon, vous voyez, tout est mélangé. Alors que le prophète a dit, s'il est musulman, là, donnez-lui votre fille. Musulman, le musulman n'a pas dit s'il est arabe, mais s'il est noir. Musulman, s'il se prosterne, s'il applique bien l'islam, s'il connaît les vraies valeurs islamiques, s'il craint Allah, donne-lui ta fille.
Parce qu'on ne donne pas sa fille à cause de la dot. Parce que la dot n'a pas la valeur de la fille. L'argent qu'il donne là, ça ne vaut pas ta fille. Ça ne vaut même pas l'orteil de ta fille. Mais toi, tu donnes ta fille à cause d'Allah et de son messager. Claire. Si vraiment tu donnes ta fille à cause d'Allah et de son messager, il faut lui donner en fonction de ce que Allah et son messager ont dit. Si son messager dit donne ta fils à un croyant, c'est mieux que donner ta fille à un riche. Donne ta fille à un croyant. Sourate 49, verset 13. Vas-y. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Je dis que nous avons créé d'un homme et d'une femme. Et nous avons fait de vous des nations et nous des tribus. Nous avons fait de vous des différentes nations et des différentes tribus. Pour que vous vous rentrez connaissez. Afin que vous essayez de faire connaissance entre vous. Le plus noble d'entre vous. Le plus noble d'entre vous. Auprès d'Allah. Est le plus pieux. C'est lui qui est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Donc il faut chercher à donner ta fille à un croyant. À un véritable croyant qui a la crainte d'Allah. Il faut donner ta fille à quelqu'un au moins qui pourra perpétuer le nom d'Allah dans ta génération. Qui pourra faire sortir des soldats d'Allah qui pourront venir défendre sa religion par l'éloquence, qui pourront venir défendre sa religion par les moyens. Partout, ils vont créer des universités, des hôpitaux pour que l'islam grandisse et évolue dans le temps et dans l'espace. Voilà pourquoi on donne sa fille. Et nous exhortons nos chers parents de nous excuser, mais de revoir ce côté-là. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amin. Prochaine question rapidement, okay. On finit. Monsieur Traoré Massa. Mais avant ça, on va amener le micro à un frère là, M. Kofi Jean, il va poser sa question. Ok, M. Kofi Jean ne peut pas entrer sur scène, donc il va poser sa question. M. Traoré Massa, il a demandé. Allez-y, lui donner le micro. Éteins le micro d'abord. Allons-y. Test. La régie, oh, ok, voilà, merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Quittez là, il y a le voir. Voilà, il y a capté le réseau. Voilà, allons-y. Moi, c'est Kofi Jean. Enchanté, bien-aimé. Merci. Moi, ma question. Tu dis, un musulman ne doit pas marier un chrétien. Pourquoi? Ah, c'est pas ça qu'on vient d'expliquer là. Non, mais t'es pas là, il était pas là. Mais il vient d'arriver. Toi, tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Mais là, pourquoi tu es marié ma fille? Pourquoi je veux marier ta fille? Parce que je veux que ta fille doit être jeune à moi. Pour devenir chrétienne? Quoi? Oui. Tu as raison, maman. Alors, c'est-à-dire que... Excuse-moi, tonton. Là, oui. Toi, tu es un bon chrétien, c'est ça? Oui, oui. Claire. Excuse-moi, ton Dieu que tu adores, il s'appelle comment? Ton Dieu que tu adores, il s'appelle comment? Mon Dieu que j'adore, on appelle ça Jéhovah. Ah, la fille là, son Dieu s'appelle comment? Attends, ton Dieu s'appelle Jéhovah. Oui, oui. Jéhovah, là, c'est en quelle langue? On ne peut pas s'attendre, monsieur. Aïe. Je veux savoir aussi, peut-être que moi, j'adore le faux Dieu. Peut-être que tu peux m'aider. Il n'y a pas faux Dieu. À être sauvé. Il n'y a pas faux Dieu sur la terre. C'est vrai, je viens. Vu que toi, ton Dieu s'appelle Jéhovah, je voulais savoir si c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. C'est le même Dieu que moi, le musulman, j'adore. Bon, chez moi, c'est le même Dieu. Mais peut-être si c'est chez toi, c'est pas le même Dieu, là, je sais pas. Je sais pas, moi, je demande. Est-ce que ton Dieu, là, c'est Jéhovah? C'est ça, non? C'est Jéhovah, c'est Jésus. C'est qui? Jésus. Attends, c'est Jéhovah ou c'est Jésus? Jéhovah, mais c'est Jésus. Et Jésus, on appelle Jéhovah. Hey, ça tient, ma fille. Bon, d'accord. D'accord. Maintenant, Jéhovah, ma fille n'adore pas Jésus. Bon, on va aller sur la base de Jésus. Ma fille, elle n'adore pas Jésus. Parce qu'elle dit, Jésus a été envoyé par Dieu. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ma fille? Oui, je suis d'accord sur cela. Jésus a été envoyé par Dieu. Oui, oui. Jésus a été un messager. Mais c'est Jésus que tu adores, le messager là. Je n'adore pas Jésus, j'adore Dieu. Mais là, Dieu que tu adores là, lui, il s'appelle comment? Pour ma fille là, il s'appelle Allah. Pour son papa, il s'appelle Allah. Maintenant, pour son mari, il s'appelle comment? Pour ta fille, il s'appelle Allah. Ma fille là, oui. Son Dieu s'appelle Allah. Allah. Son papa, son Dieu s'appelle Allah. Allah. Son grand-père, son Dieu s'appelle Allah. Allah. Maintenant, son mari, qui sera mon beau-fils bientôt là, oui. Son Dieu là, il s'appelle comment? Mais moi, c'est Dieu aussi, j'adore. Non, son nom n'est pas Dieu. Toi, c'est Dieu. Non, en fait, les hommes sont appelés Dieu. Il y a des arbres qui sont Dieu. Il y a des rivières qu'on appelle Dieu. Oui. Même Messi est le Dieu du football. Elle est lui. Non. Mais c'est le Dieu que tu adores en esprit et en vérité. Son nom c'est quoi? C'est Jésus. Voilà. Maintenant c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui est Dieu. Jésus est Dieu. Maintenant, qui a envoyé Jésus? C'est Dieu qui a envoyé Jésus.
Tu es marié, ma fille. Elle s'est tirée mariée, mon fils. Tonton. Hey. Ah. Tu vois, pour marier ma fille là, bon, laissez-le, il va parler. Par exemple, on dit bon, tu vas aller en France, non? On dit viens, tu as fait examen, tu as passé au scanner. On te tester, voir si toi là tu es bien en France. Si tu as donné le vrai Dieu, on te donne notre vie. Maintenant, on peut pas se lever comme ça quand même, donner ta vie à quelqu'un. C'est ça, comme ça. Parce que moi, je m'inquiète pour mon beau. C'est ça. Il faut que mon beau aussi. Ainsi que pour ta fille aussi. Bien sûr, il faut que mes petits enfants soient des habitants du paradis. Exactement. Maintenant, tu dis Jésus est Dieu. Ah. Mais en même temps, tu dis c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est pas bizarre. Il faut que tu me donnes une bonne réponse. La vie même là, elle est étonnée. Elle dit papa, bon, on reprend, hein. La maman de Dieu Jésus là, c'est Marie, non? Oui, c'est Marie. Marie a accouché Dieu, quoi? Marie a accouché Dieu. Parce qu'on dit, je n'envoie un messager pour sauver les hommes. Donc l'enfant de Marie là, il est Dieu. Il est Dieu. Donc Marie a accouché Dieu. Donc Marie adorait son fils. Marie adore son fils. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Marie adore son fils parce que. Il a, et ce Marie a été, comment on l'appelle? C'est quel monsieur c'était Marie? Hein? Marie n'avait pas connu ce garçon? Ça c'est vrai. Doyen. Ou bien? Excuse-moi, Doyen. On ne te voit pas bien. À cause du soleil là, ça nous fatigue. Il faut venir un peu ici. Mais que Dieu regarde. Eh? Pardon. Ah, merci beaucoup. Que Dieu regarde. Bon, c'est bon. Faut laisser là-bas. C'est bon. Faut laisser. Tu veux plus parler? Maintenant, celui qui veut marier ma fille, prend le micro. On va le tester aussi pour voir s'ils sont prêts. Elle est là-haut. Elle est assise là. Là, c'est compliqué. Ah, monsieur. Inch'Allah. On passe au l'autre côté, Inch'Allah. Il y a quelqu'un qui veut répondre là-bas? Il y a quelqu'un? Ok. On va prendre ici déjà. Ici. Monsieur, vous aussi, vous voulez? Vous avez une question à poser? Allons-y. Allons-y, donnez-lui le micro. Ouais, vous patientez quelques minutes, s'il vous plaît. Allons-y, posez votre question. Bonsoir. Bonsoir, Doyen. Quelle est votre question que vous voulez poser? Ma question est très simple. Oui. Parfois, venez un peu. Ah bon, c'est bon, c'est bon. Reste là-bas. C'est bon, c'est pas grave. Mais il ne sait pas pourquoi ils ont. Bon. Allons-y. C'est pas la honte. Allons. Non, bon, ok. De suite, le monsieur, il a dit qu'il adore Dieu. Non, non, non. Va. Ouais, c'est le micro qui fait. Voilà. Tu as vu, c'est rien. Où. Tu peux dire au nom de Jésus, hein. On n'a pas enterré quelque chose. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y a pas peur. Voilà, c'est mon frère. Bon arrivé, frère. Voilà, ici au moins là, on te voit bien. Et puis, il n'a pas fait écho, parce que ça fatigue. Ok. Quelle est la question que tu veux nous poser? Ma question est simple. Oui. Le monsieur, il a dit qu'il adore Dieu. Exactement. Moi, je sais très bien que Jésus est un prophète. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. D'accord. Il a été l'envoyé de Dieu. D'accord. Maintenant, oui. Il dit qu'il adore Dieu. Oui. Vous avez dit. Comme dirais-je, Marie a accouché Dieu. Marie n'a pas accouché Dieu. Très bien. Non, on est d'accord. Elle n'a pas accouché. Ok. Maintenant, vous lui avez posé une question. Oui. Que le Dieu qu'il adore, il s'appelle comment? Maintenant, vous, votre Dieu là, il s'appelle comment? Notre Dieu, il s'appelle Allah. Allah. Allah, c'est en quelle langue? C'est en arabe. C'est en arabe. Or, en français, puisque le Dieu, il n'a pas de nom. Il s'appelle Dieu, c'est Dieu. Non, Dieu, c'est pas un nom. Tu vois, non. Vu que Dieu, c'est pas un nom, donc Dieu ne peut pas s'appeler Dieu. Le problème, c'est que ton Dieu doit avoir un nom. Je t'explique. Nous, notre Dieu s'appelle Allah. Je ne sais pas si je comprends. Allah ne veut pas dire Dieu en arabe. Ça ne veut pas dire Dieu en français aussi. Allah ne veut pas dire Dieu. Allah, c'est le nom de Dieu. Ok. Maintenant, Dieu doit avoir forcément un nom. Parce que Dieu signifie sujet ou objet d'adoration. L'objet ou le sujet d'adoration doit avoir un nom. Exemple, si ça là c'est mon Dieu, si je commence à adorer ça là, mon frère regarde ici. Ça. Si je commence à adorer ça là, ça devient mon Dieu. Mais ça a son nom. Son nom c'est quoi? Lotus. Tu vois? Donc si toi tu adores un Dieu, ton Dieu là, il doit avoir forcément un nom. S'il n'a pas un nom, c'est que c'est un faux Dieu. Le Dieu que moi je connais. Il s'appelle comment? Tous, c'est Dieu.
Dieu, parce que je ne peux pas dire que mon Dieu s'appelle Jésus. Mais il s'appelle comment? C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Son nom c'est quoi? Son nom c'est Dieu. Maintenant, il t'apprend que Dieu c'est pas un nom. On va lire verset biblique. Jean chapitre 10, verset 33 à 34. Il lui répond, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer. Les Juifs ont pris des cailloux, ils veulent lapider Jésus. Jésus dit, mais vous me lapidez pourquoi? Il dit, non, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Mais parce que tu insultes Dieu. Parce que toi, Jésus, tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme. Tu es un homme. Et tu veux te faire Dieu. Et puis tu veux te faire Dieu. Jésus leur dit. Jésus maintenant va leur dire ceci. Dans votre loi. Vous les Juifs là. Dans votre loi là. On lit cette parole de Dieu. Voici quelle parole de Dieu qu'on lit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Continue. Dans cette parole des livres. Dans cette parole des livres saints. Dieu parle aux êtres humains. Dieu parle aux êtres humains. Et il les appelle des dieux. Il les appelle comment? Des dieux. Donc ça veut dire que nous aussi on est dieux. Donc Dieu c'est pas un nom. Donc si toi, pour différencier ton Dieu de nous qui sommes dieux, il doit avoir un nom. Dans la Bible, moi aussi Dieu par exemple. Mais j'ai un nom. Mon nom c'est Ismaël. Par exemple, toi tu es Dieu. Tu es un être humain, tu es Dieu. Tu as un nom. Voilà. Donc ce qui veut dire que lui qui t'a donné ce nom, lui qui est ton Dieu, qui est différent de nous, doit aussi avoir un nom. Si ton Dieu n'a pas de nom, c'est que c'est un faux Dieu. Ou bien, viens moi, je vais te faire adorer un Dieu qui a un nom et qui est le créateur des cieux et de la terre. Sourate okay. 59. On va patienter d'abord. Mais pour rester là-bas, mais on va patienter. Ok. Mm-hmm. Parce que vous, le Dieu que vous adorez s'appelle Allah. Oui. Ok. Allah, là, c'est en arabe. Oui. Je peux connaître la signification d'Allah. Ça n'a pas de signification. Est-ce que toi, ton nom. De suite, tu as dit. Comme dirais-je, le Dieu que tu dois adorer doit avoir un nom. Et le nom doit signifier quelque chose. Non, je n'ai pas dit signifier. Là, moi, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit quoi? J'ai dit. Le Dieu que tu adores, il doit avoir un nom. Parce que Dieu n'est pas un nom. Dieu signifie sujet ou objet d'adoration. C'est-à-dire, si je me mets à adorer ça, ça devient mon Dieu. Alors que son nom, c'est quoi? Micro. Donc, toi, ton Dieu que tu adores, il doit avoir aussi un nom. Son nom, c'est quoi? Ok. L'objet que tu adores, qui s'appelle Allah, c'est quoi? Quel objet? C'est pas un objet. Parce que si moi je te dis, le Dieu que moi j'adore c'est Dieu, le créateur du ciel et la terre, tu me dis de donner son nom. Or, toi, c'est une personne qui t'a mis au monde. Oui. C'est la personne qui t'a attribué un nom. Oui. Alors, puisque c'est lui qui a créé le ciel et la terre, tu vas lui attribuer un nom. Très bien. Bon, d'accord, je vais t'aider. Voilà, tu adores Dieu. Franchement, tu adores Dieu, mais tu ne peux pas dire son nom. Tu ne connais pas son nom. C'est-à-dire que toi-même, tu ne le connais pas en réalité. J'ai dit. Tu ne le connais pas. Parce que si tu connais quelqu'un, tu es mieux placé pour qualifier cette personne. Et cette personne doit forcément se présenter à toi. Dieu, quand il parle à un homme, il se présente à lui. Il dit, voici comment je m'appelle. Même dans la Bible, Dieu a donné son nom dans la Bible. Il a dit, voici comment je m'appelle. Sauf que vous avez peur de dire le nom. Ou peut-être vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le nom. Maintenant, dans le Coran, Dieu quand il se révèle dans le Coran, il se révèle à un messager qui est arabe. Il va lui donner un nom qui sera universel, vu que le messager lui-même a été envoyé à l'univers. Donc il dit, voici comment je m'appelle. Son nom c'est Allah. Est-ce que tu comprends? Donc voilà pourquoi nous disons, en dehors d'Allah, il n'y a pas un autre Dieu. Parce que s'il y a un autre Dieu, vous allez donner son nom et ce qu'il a créé. Voilà le défi, voilà où c'est serré. Si ce n'est pas, si c'est pas Allah qui est le créateur, si ce n'est pas Allah qui est le véritable Dieu, si ce n'est pas Allah qui est ton Dieu, si ce n'est pas Allah qui t'a créé, alors qui t'a créé et comment il s'appelle? Voilà le défi où c'est difficile pour vous de répondre. Okay. Donc si tu ne sais pas comment ton Dieu s'appelle, alors cela veut dire que tu ne sais pas qui tu adores. Maintenant, moi, je vais te montrer qui tu dois adorer et comment il s'appelle. Okay. Tu es prêt à recevoir aujourd'hui la vraie divinité? Pour ton information, oui. Moi, je partais à l'église, mais c'est à cause des choses que j'ai arrêté d'aller à l'église. Quelles choses, par exemple? Maintenant, où je suis, moi je peux devenir musulman non. Aujourd'hui comme demain. Ça me fera plaisir. Mais avant de rentrer dans l'islam, oui. Je dois connaître un peu. Ça, maintenant, oui. Comme dirais-je, vous avez dit de donner le nom de mon Dieu, qui est le Dieu créateur. Du ciel et la terre. Moi, je ne connais pas son nom. Merci. Je ne connais rien. Merci pour ta sincérité. Je ne connais rien dans le Coran. Merci.
si tu me convaincs, je peux devenir musulman comme si. Attaque. Voilà, merci. Au moins, tu es honnête. Non, on va attraper le micro. Tu es sincère et tu es honnête. C'est plus facile avec toi d'échanger. Quand quelqu'un, il comprend, il ne connaît pas, il va dire qu'il ne connaît pas. Il n'y a pas honte dedans. Même nous aussi, là, on ne connaît pas tout. Si c'est chaud sur nous, on dit, ah, on ne connaît pas, on va appeler l'imam qui est là, on va l'appeler les oustas qui sont là-bas. Nous, on n'est pas les détenteurs de la science infuse. Nous aussi, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Quand tu ne connais pas, il faut avoir l'humilité de dire, je ne connais pas. Déjà, c'est un premier pas pour avoir la vie éternelle. Déjà, le premier pas, c'est d'être humble. Parce que l'humilité précède la gloire. Vas-y, oustas. Nam, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Frère, c'est ce que nous disons, nous sommes ici pour ce but-là. De présenter le Dieu qu'on adore. Tout à l'heure, mon beau-fils, il devait prendre ma fille, mais il n'arrive pas à définir. Il a dit c'est Jéhovah, après il dit c'est Jésus, après il dit Marie est la mère de Dieu. Islamiquement, ça ne passe pas. Même selon la Bible, ça ne passe pas. Nous, musulmans, supposons que tu deviens musulman. Le Coran dit, quand tu deviens musulman, que tu meurs musulman, tu vas tout droit au paradis. Clair, noir sur blanc dans le Coran, sourate 43, verset 68 à 70, vous qui croyez, ceux qui croient en nos signes et puis ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Sourate 46, verset 13 à 14, ceux qui disent notre Seigneur c'est Allah et ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Jean chapitre 5, verset 24. La Bible dit ceci, non. Celui qui écoute ma parole, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, oui. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé oui. à la vie éternelle, claire. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Exactement. Si tu crois que Jésus c'est un envoyé de Dieu et que tu te soumets à Dieu, le véritable créateur des cieux et de la terre, non. qui s'appelle Allah, tu vas tout droit au paradis selon Jésus. Claire. Et le même Jésus a dit, dans Matthieu 7, verset 21 et suite, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Non. En ce jour-là, oui. plusieurs me diront Seigneur, non. on a prophétisé par ton nom, on a chassé démons par ton nom, on a guéri malade en ton nom, on a fait les miracles par ton nom. Quatre. Alors je les dirai ouvertement oui. je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, non. vous qui commettez l'iniquité. Claire. Musulman ne fait pas miracle, frère. Musulman ne chasse pas démons. Nous, on le cherche même. Démons, là, nous, on le cherche même. Quand ici, son nom, il est parti. Non. C'est pourquoi tu ne verras pas des prières de délivrance chez nous, prières d'incantation ou bien prières. Non, 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 ça n'existe pas en islam. Non. On rentre dans les mosquées, on laisse les chaussures dehors parce que c'est le temple de Dieu. Non. C'est un lieu saint. Moi, je ne rentre pas à chaussures dans ma propre chambre. Tu ne rentres pas à chaussures dans ta propre chambre. Non. On ne rentre pas à chaussures à la mosquée. Non. Mais certaines personnes rentrent à chaussures dans le lieu de culte, mais ils ne rentrent pas à chaussures dans leur propre chambre où ils dorment. Entre ton lieu de culte et ton domicile, quel est le lieu saint? Question. C'est pourquoi dans la Bible, Matthieu 26, 39, Jésus va un peu plus loin. Non. Il se prosterne le visage contre le sol pour adorer Dieu. Exactement. Si tu veux suivre Jésus, c'est de te prosterner devant qui? Celui-là qui a créé le ciel et la terre. Pourquoi on se prosterne? Pourquoi on ne danse pas? Pourquoi on ne chante pas? Question. Parce que ton honneur, toi mon frère, c'est sur ton visage. Ton prestige, c'est sur ton visage. Non. Ta gloire, ta dignité, c'est sur ton visage. Claire. Et nous, on prend ce visage-là pour fouler sur la terre. Oui. Où tout le monde marche là pour dire, on n'est rien, on ne ressemble à rien devant lui. On est qu'une poussière et on retournera pousser. Claire. C'est pour ça qu'à Nuance aujourd'hui, on t'appelle à l'islam. Sans obligation, frère. Non. Le salut, il est personnel. Deutéronome 24, 16. Vas-y, ordinateur. Le père ne porte pas le péché du fils. Oui. Et le fils ne porte pas le péché du père. Non. Chacun doit mourir pour ses péchés. Ça, c'est clair. Ézéchiel 18, verset 20 à 23 également le dit. Vas-y. Luc chapitre 15, verset 7. Non. Il y aura plus de joie oui. dans le ciel pour une personne qui s'est convertie que pour 99 juifs qui n'ont pas besoin de repentance. Non. Qu'est-ce que tu attends pour devenir musulman, frère? Je n'attends rien pour devenir musulman. Est-ce que Alain là, tu es prêt à devenir musulman s'il n'y a pas quelque chose qui te fait peur, qui te contraint, s'il n'y a rien vraiment, est-ce que là tu es prêt à devenir musulman? Ça dépend de ma volonté. Est-ce que tu as la volonté sincère de devenir musulman? Si. Je répète, est-ce que tu as la volonté sincère de devenir musulman? Oui. Est-ce que tu veux devenir musulman? Je veux devenir. À ta vie! Ok. Donc merci, frère. Pose encore une question que tu as envie de poser. Maintenant, il y a un jeune homme qui est rentré dans le début. Oui. Et il a posé une question. Si Dieu vient aujourd'hui à Niassu, Jésus. Jésus.
si Jésus descend aujourd'hui à Niassué, et que ceux qui sont déjà morts aillent au paradis, et nous qui sommes là, on va à l'enfer. Tu lui as posé une question. Si Dieu descend aujourd'hui, Jésus descend aujourd'hui, il va dans quelle église? Moi, ce que moi je peux te dire, il ne va pas à l'église. Au contraire, c'est nous, on doit venir vers lui. Parce que en Israël, c'est les gens qui partaient vers lui. Exactement. C'est pas lui qui partait vers quelqu'un. Oui, mais il partait prier dans le temple. Oui. Voilà, mais c'est dans quel temple il va aller prier? Là. Tu vas là. Ici à Niassoué, là, il ne sait pas. Ah, même Abidjan aussi disait. Je ne sais pas. Nous-mêmes, on ne sait pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi j'ai posé la question, frère? Non. C'est pour t'amener à comprendre quelque chose. Si les chrétiens tous se réclament de Jésus, s'il y a les chrétiens catholiques, évangéliques, protestants, les saints les derniers jours, christianistes, célestes, mormons, si Jésus vient dimanche là, il va aller dans quelle des églises? S'il va chez les catholiques, les christianistes célestes vont se fâcher. S'il va chez les christianistes célestes, les évangéliques vont garder quel? S'il va chez les évangéliques, les christianistes célestes aussi ne vont pas le laisser. Donc tu vois que déjà il y a une problématique si la notion de l'identité, déjà même si l'identité de la personne. Voilà pourquoi s'il vient, il sera plus facile de venir chez les musulmans parce qu'à la mosquée, nous sommes tous unis, un devant Dieu. Et chaque fois qu'il va dire Allahu Akbar, il va savoir que là-bas est un lieu où on appelle la créature à se soumettre au créateur. Voilà pourquoi nous les demandons. Regarde bien les musulmans. Comme vous avez l'habitude de le dire. Non. Tous les musulmans s'orientent dans une même direction pour prier. Le musulman, c'est celui d'abord qui va attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager. C'est tout. Déjà, tu as déjà fait pas au paradis déjà. Le fait d'attester que Dieu il est l'unique, il s'appelle Allah, il a envoyé son messager, c'est Mohammed. Et je décide de marcher selon ses prescriptions, de prier, d'aller au pèlerinage si j'en ai les moyens, de faire les bonnes œuvres, d'honorer mon père et ma mère, de respecter mon ami, de respecter mon voisin, de donner le droit du voisin, d'être bon en moi-même et aussi extérioriser cette chose-là, de marcher de manière calme et paisible, pas avec orgueil autour de la créature, je décide de me soumettre et d'attendre la clémence d'Allah. Je vais au paradis. C'est tout ce qu'on te demande. Donc quand tu dis que tu es prêt à devenir musulman, on ne t'invite pas à adorer Satan. C'est pas Satan qui vient adorer. C'est le créateur des cieux et de la terre qui s'appelle Allah. Lui qui t'a créé, c'est lui-même qui vient adorer. Voilà pourquoi tu as parlé de se prosterner. On met notre visage au front et à terre pour montrer à Dieu qu'on n'est rien. C'est lui qui nous a créés. De la terre, il nous a fait et à la terre, nous allons retourner. Et le fait de mettre son visage par terre est un signe d'humilité. C'est-à-dire que le musulman en soi doit être humble. Tu ne peux pas sortir de la mosquée et puis t'enfler d'orgueil. Parce que si tu as compris le sens de la prosternation, l'humilité va t'habiter. Tu seras humble avec toi-même, humble avec les autres, humble vis-à-vis des autres et humble vis-à-vis de ton créateur. Donc frère, on t'invite à venir à la religion de paix. La religion d'amour qui va t'inculquer les vraies valeurs morales, qui va te donner une éducation spirituelle et morale. Tu auras ta vie paisible sur terre et dans l'au-delà. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. D'accord. Donc, ça se bismille. Il faut lever l'index droit sans obligation. Tu répètes l'attestation de foi. Tu vois, la communauté musulmane qui est là va t'accompagner pour te montrer que tu es un frère, tu es notre frère. Si tu ne deviens pas djoula, tu deviens musulman, tu commences à prier, les gens vont t'encadrer. C'est toi qui es responsable de tes propres péchés, mais là où tu es, dès que tu t'es converti, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu as fait comme péché tombe à l'eau, selon le Coran. Tu n'as même pas besoin de croire à la mort de quelqu'un pour être sauvé. Ça n'a rien à voir. C'est l'affliction que nous prenons, nous adorons l'éternel Dieu Allah, et puis c'est terminé. Lève l'index sans obligation. Répétez après lui, micro. Après le micro, tu répètes ce qu'on va dire. C'est comme ça on devient musulman. Ashhadu. Attendez, il va répéter. Frère. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Pour moi, Takbir. Pour la 6, verset 126. Vas-y, frère. Et qui? Et qui? Quiconque Allah veut guider. Le Coran dit quiconque Allah veut guider. Il lui ouvre la poitrine à l'islam. Il lui ouvre
la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer. Et celui que Allah veut amener à la perdition. Il rend sa poitrine étroite et gênée. Sa poitrine étroite et gênée. Comme s'il se forçait de monter. Comme s'il se forçait de monter. Attaque lui. Bismillahirrahmanirrahim. Lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire est que tu vois les gens entrer en foule dans la région d'Allah, alors par la louange implore le pardon de son Seigneur, car c'est lui le grand accueillant de repentir. On a reçu aujourd'hui une âme sauvée, on a un frère aujourd'hui qui fait partie de la grande communauté musulmane. On dit tous que l'islam est la meilleure des religions. Alors nous allons accueillir notre frère les bras ouverts et nous allons lui montrer, témoigner notre amour pour lui et être là pour l'éduquer, le former, que ce soit de manière spirituelle. Merci beaucoup à tous. Mon frère, voici un tapis de prière pour toi, pour la communauté musulmane. Un livre d'islam dans la Bible, un Coran en français et un document comment apprendre à prier. Attaque! Anche, qui donc veut se convertir? Attaque! Souma attaque! Inadina, inadina, l'islam. Ya, le parrain, il y a une sœur qui veut également se convertir à l'islam. Attaque-lui. Elle est juste à côté. On a une sœur qui a passé son temps à écouter, qui a réfléchi et qui s'est laissé guider et qui décide de se convertir. Si c'est possible, Inch'Allah, on va passer. Ils vont aller avec le micro vers elle. D'abord, une seconde. S'il vous plaît, le micro ici. D'accord, envoyez le micro là-bas. Allez-y. Ok. Profitez, nous profitons. Frère, excuse-moi, tu veux choisir quel nom qui te plaît en islam? Il y a quel nom que tu entends, ça te plaît? Tu veux prendre quel nom? Ismaël. Attaque qui? Un petit encore. Ton genre. C'est bien, ton genre, mon frère. Non. Donc nous tenons à vous informer en même temps que, comme vous le savez, les gens se convertissent à l'islam. Nous avons aussi le centre que vous devez nous aider à contribuer à la construction de ce centre. C'est très important pour nous et primordial. Non. Parce qu'il faut qu'on ait ce centre-là pour pouvoir accueillir ces jeunes personnes, former ceux qui se convertissent à l'islam pour un avenir meilleur, pour qu'ils soient des défenseurs de l'islam de la plus belle des manières. Nous vous demandons de participer. Pour ceux qui sont en ligne, qui veulent aussi participer, les numéros, vous les connaissez, 07 47 32 04 55, 07 68 97 45. Tchaïe Pougon. Nous, on est basé à Yopougon. Ah, nous, on est basé à Yopougon, ça tombe bien. On va vite au Figayo, aujourd'hui, Figayo, Inch'Allah. Merci beaucoup, frère. On va passer à la prochaine. Oui, Amidou, c'est bon, on peut partir. Mais il y a quelqu'un ici. Ok, d'accord, attends, il y a quelqu'un ici que tu connais. J'ai mis travailler pour retourner. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ça la grâce. Donc on garde les contacts et puis on se reprend. Donc on va te confier à la DGM. Tu viens travailler ici souvent, c'est ça? Tu dors ici. Ok, donc on va te confier aux gens qui sont ici, qui vont t'encadrer pendant ce temps. Donc voilà, voici frère, voilà, viens, tu te présentes. Et puis, ça, voilà. Ouais, c'est le représentant de la DGM. Oui, c'est le représentant. Il va t'héberger sans problème. C'est ça, non? Aussi, voilà, Dania Soué, ils vont t'héberger sans problème. C'est ça aussi l'islam, c'est la fraternité, tu es un frère en Allah. Ok, on se prend voilà. La prochaine conversion. Allah Akbar, donnez-lui la chaise, elle va s'asseoir. Attaque-lui. Là aussi. Ok, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fait. Vous savez, l'islam est là pour ceux qui sont pas. L'islam est là pour ceux qui sont pas bons. L'islam est là pour les amener à être bons. L'islam n'est pas là pour ceux qui s'habillent bien déjà.
pour ceux qui ont compris déjà, dans l'islam maintenant, pour ceux qui n'ont pas compris, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux-là même qui ont le désir d'être guidés, l'islam est là pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière. L'islam est là pour nous former et nous réformer. Alors, nous recevons notre frère, notre soeur. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. On a attrapé le micro s'il vous plaît. C'est quel nom s'il vous plaît? Amouadi. Amouadi. Ok. Il paraît que tu veux devenir musulman. Mais depuis là, moi j'étais là, je te voyais dans la foule. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir être musulman? C'est qui me pousse avant d'être. Attaque-moi! On va écouter s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va écouter, c'est très important. Ce qui m'a touché que je dis que je vais devenir musulmane aujourd'hui est que quand vous avez dit que quand on rentre dans la maison de Dieu, on ne doit pas rentrer avec les chaussures. Non. Mais chez les chrétiens, on rentre toujours avec les chaussures. Mm-hmm. C'est ce qui m'a motivé non. à devenir musulmane. Attaque-moi! Alhamdulillah, merci beaucoup. Ok, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous allez occuper, voilà, moi on va passer rapidement. Donc, comme tu as écouté ça. Tu vas même poser. Il y a un troisième qui veut se convertir à l'islam. Tous ceux qui veulent se convertir à l'islam, c'est le moment. C'est le moment. Venez, n'ayez pas honte. Hein, n'ayez pas honte. Voilà, c'est la religion du salut. N'ayez pas honte. Venez vous joindre aux frères. Lorsque la vérité est si ton cœur, tu sens que là où tu as arrêté, tu sens que. Vraiment, ton cœur est libre, ton cœur est descendu d'un poids que tu veux te convertir. Viens, c'est gratuit, n'aie pas honte. Car le salut, il est personnel. La tombe, tu seras seul dans ta tombe. Et tu vas rendre témoignage de tes actions. Ok, merci beaucoup. Ma soeur qui veut se convertir. Pour se convertir à l'islam, c'est pas difficile. On va faire comme le premier. C'est une question d'attestation. Tu vas attester qu'il n'y a aucun Dieu à part Allah. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et que Muhammad est son messager. Tu deviens musulman, c'est tout. Donc tu vas répéter après moi. Tu vas lever ton index droit. S'il vous plaît. Tu vas lever ton index droit et toute la communauté aussi avec toi va t'accompagner. Ainsi que tous nos mamans. Désormais, tu fais partie des mamans, tu fais partie des soeurs. Nous sommes tous une famille. Donc tu vas répéter après moi. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration sauf Allah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Atakbi Souma Atakbi. Ma soeur, quel est le nom que tu veux choisir en islam qui te plaît? Kadi Djat, la première épouse de Rasoul Salam. C'est une très bonne chose, ma soeur. Compléter son kit converti. Gaos, il faut compléter, ça manque là. Où est tapis de prière? Voilà, il y a un tapis de prière. Un tapis de prière, ça c'est la DDR qui te l'offre. Voilà, la communauté musulmane, on donne un tapis de prière, un livre, si tu sais lire, tu vas lire ça, c'est très important. Frère, ça, voilà, tourne le micro. Ça, c'est un Coran en français. Le livre s'appelle l'islam dans la Bible. Tu auras tous les versets qu'il te faut pour pouvoir comprendre mieux et ainsi te défendre. Ça c'est le Coran en français. Ça aussi c'est un chapelet pour t'appeler, pour t'amener à faire des invocations. Petit à petit, quand on va te. On a aussi un Coran en français pour toi. Quand tu seras en mesure de le lire, tu pourras le lire, Inch'Allah. C'est en français. C'est pas en arabe, tout est en français. Tu peux, bon, je crois qu'il y a une partie en arabe, mais tu peux lire tout en, il y a les écouteurs en français. Tu vas lire. Et puis, sache que désormais. Tu fais partie de la communauté musulmane, nous tous on devient des frères et des sœurs. Si tu étais en parlable avec un musulman ou une musulmane, parlable a fini aujourd'hui. Si quelqu'un avait quelque chose contre toi, ou bien tu avais quelque chose contre un musulman, ça finit aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, toi et les autres musulmans, vous formez une famille. Tu es notre sœur et on ensemble, dès que tu attends l'heure de la prière. Tu peux aller avec les mamans prier ensemble. Elles vont te montrer comment on prie, comment on prend les ablutions petit à petit. Si tu as des questions à poser, on va t'enregistrer. Et puis on va aussi te donner des cours en ligne. Si tu as WhatsApp, on pourra te dire que, Inch'Allah. Donc tu vas laisser ton contact, Inch'Allah. Et puis on va se reprendre. Oui, Alhamdulillah. Bonne arrivée, frère.
Ça va bien. Tu as Niansou également. Oui. Il y a la conférence a commencé devant toi. Hein? Oui. Mais tu as suivi, tu as compris beaucoup de choses, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Toi, tu es la troisième personne à se convertir à l'islam à Niansou. On va dire c'est une victoire. Parce que une seule peut convertir à l'islam, c'est une victoire. À plus forte raison, trois personnes. Comment tu t'appelles? Oui, parfait. Merci beaucoup. En tout cas, c'est parfait. C'est parfait que tu sois musulman. Tu vas lever l'index droit, comme on l'a fait tout à l'heure. Tu lèves l'index droit. Et la communauté musulmane également, on va répéter l'attestation avec toi. Parce que pourquoi on le dit en arabe, pour qu'on traduise en français, pour que tu saches le jour où tu te... Ah, ça c'est le cadeau de la soeur, ça. Le jour où tu te convertissais à l'islam, qu'est-ce que tu as dit et tu as compris, Inch'Allah. Voilà. Tu vas lever l'index, tu répètes après moi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue, je reconnais dans mon cœur, il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah, et Mohammed est son messager, et Jésus Christ est son messager. Takbir. Quel est le nom que tu veux choisir en islam qui te plaise? Abdullahi. 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 Donc, désormais, tu t'appelles Abdallah. Barakallahu fik. Ça change rien à ton esprit. Merci beaucoup. Voilà, et c'est ça aussi. Là, il y a tapis de prière, Coran français, tout ça c'est gratuit. C'est la communauté musulmane qui te l'offre également. Voilà, également, tu as. Ça aussi c'est pour toi. Ça aussi c'est pour toi. Voilà, donc on va pouvoir faire. Merci beaucoup à toi. Inch'Allah. Voilà, le frère, avant de prendre. Voilà, tu peux venir maintenant. Toi, tu es chanceux, hein. Depuis que tu es venu, les gens n'ont pas se convertir. Tu as la chance vraiment par la grâce d'Allah. Avant alors, nous demandons aussi à toute la communauté musulmane d'Agnansue d'aider les frères musulmans de la DDR d'Agnansue oui. À pouvoir s'occuper des différents convertis ici. Parce que c'est pas facile. Oui. Se convertir à l'islam, c'est bien intéressant. Mais le suivi après, c'est ce qui nous manque surtout. Pardonner. Ne les laissez pas comme ça, sinon ils vont retourner à leurs anciennes habitudes. On va juste appeler le président de la DDR à Niansoué. Mais en attendant, on va saluer nos autorités, nos imams. Et puis on viendra pour présenter le groupe. Et puis on va mettre fin à la conférence, Inch'Allah. On va aller saluer. En attendant, lui va attendre pour sa question. On va aller saluer nos imams. Oui. Frère Baron. Frère. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillah. Avant de poser ma question, je vais poser un peu du Coran. Le Coran, c'est le passé, le futur et le présent. D'accord, on va aller rapidement parce qu'on est un peu pris par le temps. Le futur. Ce que j'aimerais savoir, je veux du passé du prophète Issa, le Nabi Issa. Ce que j'aimerais savoir, c'est qui l'a crucifié au juste. Allah était clair dans le Coran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa lakin shubbiya lahum. Ils ne l'ont ni tué, ils l'ont pas osé crucifier. Bal rafa'ahu ilayhi wa kana Allahu 'azizan hakim. Allah l'a élevé vers lui, Allah est puissant et sage. C'est ce que nous savons que Jésus n'a pas été crucifié, il n'a pas aussi été tué. Mais bon, certaines personnes pensent qu'il a été crucifié, il a été tué. Allah il dit, Walakin Shubi alors, hein, ça leur a paru ainsi. Ce n'était qu'un faux semblant. Ce n'est pas lui qu'ils ont crucifié.
Donc voici un peu ce que le Coran dit. Voilà. Pour être bref sur la question, c'est ce que nous pensons. Certaines personnes peuvent croire autre chose, mais voilà ce que nous pensons, que ce que le Coran dit. On ne leur dit pas qu'ils sont des mécréants parce qu'ils croient qu'il est mort. Non, 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 ça ne fait pas de nous des mécréants ou des voilà. C'est donc, des sujets de divergence. Effectivement. On est tous musulmans. Nous pensons qu'il n'a ni été tué, ni crucifié. Voici un peu la question. Walaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah le reste du monde. Répétez après moi ceux qui ne sont pas encore musulmans, c'est le moment. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Merci à Yassoué. Victoire totale demain à Bangourou, Inch'Allah. Événement, événement à Bangourou, sous le haut parrainage de M. Sermé Karim, opérateur économique. C'est comment, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce que tu viens de voir, la part des DTR qui sont venus ici à Niassou. Allah, subhanahu wa ta'ala, cette grâce, nous recevons ici à TDR, notamment Ismaël Aka et Moussa Diané. Vraiment, c'est un enseignement que nous sommes édifiés par l'enseignement que nous recevons effectivement de nos éminents conférenciers. Vraiment, ça vient dans le but de sauver des âmes, de montrer qu'effectivement, les musulmans peuvent cohabiter avec les non-musulmans. Les gens nous ont fait croire certaines choses par le passé, mais aujourd'hui, mashallah, avec l'arrivée des Rissad, on a compris que le musulman est celui qui est soumis à la volonté d'Allah. C'est-à-dire que le musulman est celui qui a l'obligation de vivre avec tous ses tous les semblables en tant qu'être humain. Ça demande de vous dire que vraiment nous sommes fiers de montrer que le musulman est celui qui vit avec tout le monde. Que le musulman est vraiment cette personne-là qui vit avec tous les autres hommes de la terre. Merci bien, mashallah. Salam alaikum maman. Salam alaikum. Alhamdulillah. DDR ka wajibu ke sisa ka suma info ka mule la me ka mule ka me nyara ma nyara sisa bes ka mule fo me se ka mi fo aka ta yaka la mi ya ka do kretion toro la o jala nye fo ka teme ka se no ko ashadu alla ila ila la o ka da ula chanda ashadu ana muhammad al abdul wala ma bana oro la no wala la ma bana oro la no kretion.